Ma position de présentateur aurait pu me protéger d'avis désastreux, mais tout comme vous, cher consultant, j'ai eu mes sorties de route, ma sortie de route. Alors, avant de vous envoyer au feu devant des centaines de viewers assoiffés, j'aimerais moi aussi présenter mes excuses. À toi, Igor Tudor, coach de l'Olympique de Marseille. Il est vrai qu'en lisant ton CV, on avait plus l'impression de lire les dicos des clubs obscurs, des expériences de 4 mois avec plus de défaites que de victoires, sans oublier l'incompréhension que j'avais au moment du départ sur le gong de la boule Jorge Sampaoli. Alors quand tu arrivais en conférence de presse avec ta barbe mal taillée et ton caractère Philippe Etchebest, j'ai directement pensé à ton duo de tête brûlée avec Guendouzi. Jamais ça tiendra plus de 3 semaines. Le vélodrome siffle très vite et moi, ça m'excite cette atmosphère de soufre parce que oui, je suis con. Et finalement, j'ai eu tort. J'ai fini par vouloir caresser ta barbe mal taillée, pris mon pied pendant une bonne partie de la saison en voyant Mbemba jouer neuf et Payet jouer sur le banc. Mais si tout n'a pas été parfait, Igor, j'ai appris qu'il fallait parfois la fermer avant de l'ouvrir. Alors je te souhaite bonne route et je te dis merci. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans les Mea Culpa Awards du WFC. Elton ne se trompe jamais, c'est le football qui le contredit. Salut à tous, les Winamis. L'heure est arrivée, l'heure du grand bilan du WFC, les amis. Un peu de travers, ma perruque. T'es beau. Ça vous plaît? T'es beau. Voilà. Ça m'a coûté cher, ces merdes. Bon, passera c'est remboursant de nos deux frères. Oui, oui il fait un peu chaud dessous. Comment vous allez, les amis? Salut à tous, bienvenue dans un nouveau mag du WFC. Mag spécial, Mea Culpa Awards. On va s'excuser, mais on va aussi se vanter. Parce que vous avez dit de belles choses aussi cette année. Notamment toi, Elton. Si je dis ça, c'est parce que derrière, le mal, évidemment, arrive. Eh bien, je vais commencer par toi, tiens. Comment ça va, Elton Mokolo? Bonjour Thomas, bonjour Sofiane, bonjour Wahid, bonjour Tidiani, bonjour les amis, les ennemis, les winamis. Ça va bien? Ça va parfaitement. T'as bravé l'orage, la tempête parisienne? Exactement. Bon, encore qu'aujourd'hui, il fait bien, mais il fait bon surtout. Mais ouais, hier, c'est pas mal. Hier, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué parce qu'à un moment donné, ça tapait fort. Tidiani Mbouet avec nous, ça va Tidiani? Bah ouais, très content d'être avec vous pour cette émission qui s'annonce haute en couleur. Encore un bon anniversaire à Elton, puisque visiblement la soirée n'est pas tout à fait terminée. La soirée n'est pas tout à fait terminée, mais écoute, non, très content d'être avec vous pour cette émission. On est prêt à s'excuser. Ouais, ça va être tranquille. Moi j'ai déjà commencé en plus. Ça va être un peu anticipé il y a quelques semaines. Donc. Sofiane Zouaoui, ça va? Salut à toutes, salut à tous, ravi de vous retrouver. N'ayant que très peu d'oseille, comme vous le savez très bien, j'ai pris un commis d'office. D'accord. Et ce commis d'office, c'est moi-même. Ben c'est bien. Je participerai à ma défense. Après, toi, c'est facile. Pourquoi? Tes prédictions, c'est de la merde. Ah bon? Donc, non, on ne peut pas te critiquer. Non. Ok, oui, je ne savais c'est pas. C'est du troll. Comment veux-tu t'excuser d'un troll? Je ne savais pas que le juge avait le droit d'avoir une position aussi acerbe. Ah, moi, j'ai une position très claire. D'accord. Voilà. Mais j'ai vu 2-3 choses qui m'ont fait vomir dans la préparation de cette émission. Et je pense que ça peut être la bascule, cette émission pour le WFC. Très bien. Bah, ça faisait bien aussi de s'excuser. Hein? Ça montre qu'on est... Oui, mais ça c'est l'argument qu'on sort nous. Qu'on a de l'amplitude. Ouais. Non, mais qui fait ça, honnêtement? Qui fait ça? Dans toutes les émissions non, qui ça, viennent. Ça pas, ça, non, mais non. Qui déblatèrent et qui disent des avec soucis. Avec un con déguisé en juge, avec un... Non, mais au-delà de ça, sur le concept, qui vient officiellement reconnaître ses erreurs devant Il reste encore deux heures. Ah d'accord, c'est bien, t'annonces la couleur. Walid Acharchour, comment il va Walid? Ça va super, salut juge, salut les amis, les winamis, Walid Acharchour, une de plus, j'espère que tout le monde va bien. Je suis content de retrouver Elton Mokolo qui n'était pas là hier, qui a récupéré... Qui nettoyait par terre. Voilà. qui a récupéré bien évidemment les 50 euros chez ses 25 amis, même exactement. Ceux qui ne sont pas venus. Il a envoyé des messages en disant la soirée c'était 50 euros, je t'avais invité. Donc t'es pas venu. Il a bien récupéré sa canote Litchi pour s'acheter 2-3 belles chemises satinées pour la semaine prochaine. Dis-toi, je vais faire une confession terrible. J'ai laissé tomber de l'argent. Ah ouais? Ouais. Ah waouh. T'as laissé tomber de l'argent? T'as laissé tomber notre argent? Non mais genre quand tu dis j'ai laissé tomber, c'est genre t'as fermé les yeux sur de l'argent que t'aurais pu récupérer, non, ou alors il y avait de l'argent dans tes poches et il est tombé. C'est tombé littéralement. Littéralement. Donc je pense qu'ils ont dû se régaler. Ah ouais d'accord. Ouais. Quand tu dis il, à qui penses-tu? Bah à les proprios en fait. Ah non, parce qu'il y avait aussi tes amis qui étaient là et qui s'ils voient tomber par exemple des billets de ta poche. Je vais pas les accuser de ça. Je préfère me dire que accusez Mokolo. Est-ce que vous avouez, vous reconnaissez avoir escroqué vos amis? Pas du tout. Non. 50 euros tête? Vert, le vert?
que tu as dit dans toutes les oreilles de tes amis? Ah non, j'ai jamais dit ça, moi. Il y a peut-être beaucoup de sons, le DJ. Ouais. J'ai jamais dit ça. Un état second. Bon, après, quand tu vois la danse qu'il faisait pendant toute la soirée, tu peux imaginer un état second quand tu voyais déjà ses pas de danse à minuit et demi. Hier, l'Espagne a remporté avec des nations. Ouais, stop. Beau match. Peut-être Bravo. Le dernier match de Modric, d'ailleurs. Bravo à Modric, hein. D'ailleurs, je crois qu'il a prouvé que la science fait des miracles. Non, c'est sportif, etc. C'est pas... Il a pas fait 120 minutes hier, il a sorti à l'ordre de jeu. Ah bah, autant pour moi, alors. Ah, il est sorti à l'ordre de jeu. Il a joué 60 minutes ? Ouais. Et après, il a rejoué 60 minutes. Après, c'était les dernières... Après, c'était les dernières picouzes, Croatie 2018-2023. Non. Il y en avait une dernière, Je m'inscris en faux. Je me détourne. Restons sur la Croatie. C'était le dernier pot de Vaporub qui était. Après, il y avait Boban quand même derrière encore qui jouait à 63 ans, mais non, vraiment, restons sur le sportif. Grand pays, la Croatie. Par contre. Depuis qu'ils ont ouvert des pharmacies. Non. Ils sont là dans toutes les compétitions. Restons sportif, mais par contre. Par rapport à Tudor. Très, très beau match de Marco Ascenseur. Marco Ascenseur qui. Il a bientôt signé son contrat là, à la Factory. Le plus important, c'est qu'il a mis un pénalty décisif. On sent que ça va être un joueur qui va être vraiment. Il arrive en forme. Intéressant. Il arrive avec un trophée. Super. D'ailleurs, parade de l'Espagne tout à l'heure. Comment ça, on parlera de l'Espagne? Ils vont faire une célébration avec. Parade. On parlera de l'Espagne. Unai Simon, il en a déjà fait deux fois. Unai Simon, ouais. Qui sera le Grealish espagnol? Je sais pas. D'accord. Je sais pas, ils ont prévu de faire un truc. Enfin là, s'il y a un Grealish espagnol quand même, j'aime beaucoup la Ligue des Nations, mais ce sera accordé une sacrée importance à ce trophée pour une sélection qu'on a quand même gagné 2-3 récemment. Ça fait 11 ans qu'ils ont pu remporter le trophée. Ce soir, débrief de... C'est pas vrai. De France-Grèce. Mais là. C'est pas vrai, il y a France. Je suis là, je crois. Tous les trois là. Moi, en tant que grand représentant de l'amitié franco-grecque et de l'Office du tourisme grec, qui est un pays où je me rends régulièrement en vacances. Je tenais absolument à être là. T'es Nikos Aliagas ou quoi? Et moi, je serai là. Encore. Toujours. Ah ouais? Enfin, c'est vrai. Ouais, enchaîne. De toute façon, quand il faut enchaîner, il n'y a que toi. Hein. Ah bah oui, d'abord. Mais il y a qui d'autre comme présentateur? Sofiane Zouaoui. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, non. Donc, cette émission sommaire. Ah oui, il y a... Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, y a-t-il. Ouais, quand même. Et Romain Bédouk, non plus? Non, Romain, non. Autre chose à faire. Okay. Sur le Queens, RCR Totgenbosch. Le tournoi de Bois-le-Duc. Il était beaucoup plus Queens que Halle, parce qu'à chaque fois, ça se déroule en même temps. Merci, Alta. Vraiment, c'est un sommaire. T'es plus dedans quoi? Non, je suis plutôt à Halle Berry que tournoi de Halle. Sommaire de. Je suis plus Zonebond que Eastbond. On va faire un petit décrassage où on va faire un petit bilan rapidement entre nous. On se met des petites notasses. Tranquillou. Vous allez élire le meilleur consultant 2022-2023, ça va être sympatoche, tranquillou. Je ferai un petit tour de table si quelqu'un a envie de s'excuser par rapport à des combats qu'il a menés à tort cette saison. Notamment, je regarde à droite sur certains mecs, certains coachs. Voilà, bref. Alors ça peut être des combats menés à raison, mais avec peut-être un peu trop de virulence aussi. Exactement, comme moi sur Tudor, sur les réseaux. Alors oui, je ne me suis pas exprimé sur Tudor ici parce que je ne suis pas consultant. Mais voilà, bref, on est dans cette idée-là, quoi. Et peut-être que Sofiane fera des excuses plates à un ami présent ici. Bref. Ah ouais ? On en reparlera, peut-être. D'accord. Masterclass, le top du WFC, les meilleures prédictions. On a regardé toutes les émissions. Meilleures prédictions, on fera un petit bilan quand même. C'est important de vous féliciter. Il y en a quand même pas mal. Donc voilà, on fera les... Et tout ça avec les images, évidemment. Oui. Sinon, ce serait pas marrant. Oui, évidemment. On a même fait des montages. Je sais pas ce qu'il faut penser du fait qu'on fasse d'abord les bonnes prédictions et ensuite les mauvaises. C'est mieux de faire les bonnes. Non, c'est mieux de faire les bonnes. Ah ouais, c'est ensuite, il y a Disaster Class, évidemment. On garde le même conducteur. Le pire du WSC, ça prendra une bonne partie. Voilà, il y a pas mal de petites choses. Et évidemment, c'est Coupe du Monde, Ligue des Champions, Serie A, bref, tout quoi. On est sur la pire année là en termes d'événements. Ouais. Voilà. Et on terminera par Border Terrain, la chronique de Tom qui viendra en fin d'émission lui aussi faire un petit bilan. Voilà. Ça vous va ? Ouais. Allons-y. Allez. Ça me va la perruque ? Ouais. Ouais, c'était très bien. Ça passe ? Tout te va, toi ? Ouais. Ouais. Plus ou moins, mais. Voilà. On y va. Allez, le petit décrassage, les amis. On
font vraiment des choses incroyables en Turquie maintenant. Ah, là, je peux dire. Istanbul, hein. Franchement, c'est pas mal. Bon, ils sont trompés de couleur, mais c'est vrai que c'est pas mal. Salut à tous les Winamis qui nous rejoignent. Il y a Ayoub, Liona, Genepi, les bonnes prédictions, ça va aller vite. Oui, bah, peut-être. Non, ça va, ça va. C'est pour toute l'émission de déguisement. Je vais voir, parce que je commence à transpirer du dos. On va peut-être s'adapter. Il y a Pierre Dex, Chelsea Stat FR. Salut à tout le monde, évidemment. On est déjà presque 1100 sur le live. Envoyez un maximum de likes. Et évidemment, il y aura. Vous allez élire deux trophées. J'ai fait des petites. Vous avez vu, ils sont pas mal. Hein ouais. Avec, ouais, ils sont en petite pierre, petit marbre. C'est, voilà. C'est un Oscar, là. Exactement. Donc, vous allez voter pour la saucisse 2023-2024. Tu iras le rendre au mec devant la Tour Eiffel. On aura un truc que DiCaprio, n'a pas. Le pire avis 2022-2023. Alors, la saucisse, c'est vous, consultant, qu'elle est entre nous, à l'unanimité. Le pire avis, c'est vous, et la meilleure prédiction. Ah, quand même. Évidemment. J'allais dire, il n'y a pas que des trophées négatifs, quand même. C'est vous qui allez voter tout ça. Voilà. On va commencer tranquillou, on va se faire un petit décrassage, les amis. Quelle note vous mettez pour les consultants du WFC? Je vous mets un petit sondage pour vous. Quel a été le meilleur consultant du WFC? Sofiane, il n'a pas été tout le temps là. Il a fait quoi, 3-4 émissions? Ouais, mais c'est moins que Yanis ou c'est plus que Yanis? Hein? Non, c'est un peu plus que Yanis. Après, comme on dit, c'est la qualité des minutes et non pas Walid la quantité. Walid Elton ou Tidiane. Je vais commencer par Walid. Walid qui a fait toutes les émissions du WFC. Non, pas toutes. Pas toutes. Cette saison. T'as pensé quoi de ton année? Qu'est-ce que t'en penses? Si tu veux faire un petit bilan. Pas, on peut faire des petits points chargés édito que je bien suis. Sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, ah oui, non, juste préciser que Walid en aura moins l'année prochaine. Simplement faire un bilan aussi également. C'est une libre antenne. C'est une libre antenne. En fait, chacun passe son entretien. Ouais, on chacun, passe à voilà. Sofiane, en toute transparence. Ah, autant faire également du RH hein, dans cette émission. Walid, ouais. Bonne année quand même. Ouais, bonne année. Sympa, toi. Ouais, bonne année, plein de bonnes choses. Bonne année, bonne santé. À l'année la famille, la santé. Longue. Ah, on est déjà le 1er janvier. Exactement. Non, ouais, bonne année. Je me mettrais un petit 6,5-7. C'est bien. Ouais, ouais. Ouais. Parfois, pourquoi on va pas voir plus haut? Parfois, on a fait des émissions en dessous de la moyenne. Ouais. Parfois, on a été bien. Parfois, on a été excellent. Voilà, je pense que, ouais, on a. Au-delà de l'analyse, je trouve qu'on a ramené quand même de la bonne humeur sur ce plateau. Évidemment, voilà, c'est plus important. Ça, c'est quand même important. Le bien vivre ensemble, accueillir tout le monde, on a accueilli des petits nouveaux, voilà. Qui sont pas revenus, hein. Qui sont pas revenus. Non, mais qui sont pas revenus, je trouve qu'on a fait du bien en dehors de l'émission et dans l'émission, donc ouais. 6,5-7. Ouais, 6,5-7, on a fait une belle coupe du monde. Ton prime cette année, on est plutôt où? Ah, mon prime, c'est les émissions du PSG. C'est Galtier. Ou bien évidemment, voilà, je pense qu'on a été plutôt bon sur le dossier Galtier. Et ouais, globalement. Globalement, du début jusqu'à la fin. Donc là, tu te positionnes pour la statuette de la prédiction, roman du Paris Saint-Germain. Ah non, de la rumeur Galtier jusqu'à son officialisation. Jusqu'à son départ, je pense qu'on a eu un sans-faute. De sa naissance. Je pense qu'on a à la maternité, t'étais là. Je pense qu'on a eu un sans-faute. Globalement, sur le PSG, j'ai fait une très très belle année. Mais après, bon, voilà, la Coupe du Monde s'est bien passée. On a terminé les 6 V. C'était dur sur la fin. Mais globalement, ouais, du 6,5. Moi, je me mettrais un bon 6,5. Ok, note on met, jury, cher jury, quelle note on met à Walid Acharchour? Je pense que j'étais bien meilleur que certains ici. Non, la même note. Tu lui mets la même note? Ouais, je lui mets la même note. On a pensé quoi? Elton, t'as aimé combattre. Ouais, je suis chapeau 1. Sur combien de chapeaux? Je regarde. Après, bon, à 7 émissions par semaine, j'espère que je suis chapeau 1 quand même. Exactement. Petit Elton sur ton ami. Ennemi. Non, je suis d'accord avec ce que dit Walid. Et on a besoin de ça. On a besoin de ces combats qui nous ont animés tout au long de la saison. J'aurais mis davantage en remporter, tout pour avoir davantage raison. Et je dois quand même lui laisser ça sur la saison 2022. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de combats avec Elton cette année. Ouais, parce que c'est quand même marrant. On dit souvent qu'on est souvent d'accord sur les mêmes sujets, alors qu'il y a eu énormément d'affrontements. Exactement. Mais combien, toi, Elton Mokolo? Moi, je prends la même note. La même note, parce qu'il m'a. Honnête, s'il te plaît. Non, il m'a manqué un combat fort et tout qui soit gagnant. Oui. Par contre, il y a beaucoup de combats forts perdants. C'est le principe d'émission. La saucisse, c'est l'arrivée d'un moment. Non, mais t'inquiète pas. On arrive. Il a combattu toute la saison. Il n'y a que des Waterloo au bout d'un moment. Non, mais un combat qui m'a accompagné toute la saison. Bon, après, si on va pas sur le Barça, j'ai rapidement eu raison en Ligue des Champions. Mais ça, c'est autre chose. Mais pour le reste. D'accord. Non, c'est vrai, il m'a manqué un truc. Ouais, parce que c'est quoi les combats forts que tu as eu cette saison? C'est quoi? Ah, il y en a eu beaucoup. Ter Stegen.
c'est raté. Non, mais Ter Stegen, enfin, Ter Stegen, si on regarde la Coupe d'Europe, oui, d'accord, globalement. Dembélé, t'as eu raison au final à cause de la blessure. Finou, elle a fini. Ah, au final, voilà. J'en tire aucun mérite. Ah, à cause de la blessure. Alexis Sanchez. Les pièces à conviction, s'il vous plaît. N'allons pas trop vite. N'allons pas trop vite en besogne, s'il vous plaît. Silence, je fais éjaculer la salle. La deuxième place de l'OM. Ça joue à rien. Ah, ça joue à rien. Ça joue à Lens qui est fini 10 points devant. Mais bon, c'est pas grave, ça joue à rien. Mais sinon, par contre, il a été très très bon dans l'analyse. Les prédictions, c'est autre chose, mais par contre, il faut reconnaître un truc. Belle analyse. Dans l'analyse. Bravo, Julien Molin. Touron Nagelsmann, ça a été aussi bien. Hein? Touron Nagelsmann, c'était bien. Ah ouais, s'il vous plaît, on se tait. Le mec est en sabordage. Une année où le personnage s'est assumé, s'est développé. Ouais. On est un peu plus sur le troll, on a eu de la présentation. Un peu plus piquant. Un peu plus acide. Ouais. On a essayé de diversifier les compétences, simplement. De se mettre aussi au niveau de ce train, de cette caravane du WFC qui avance très très vite. Donc, il se met quelle note celui-là? Oh, je pense un 7, un bon 7. Il y en a un qui va falloir se donner une note au-dessus des autres, hein, sinon... Non, moi, mais... je lui donne plus 1 pour le passage avec Chelsea. Moi, je me donne un 7 parce qu'il y a eu à la fois... Moi, l'épisode de dopage a été très bon. Quelques positions assumées, comme avec Chelsea, par exemple, ou d'autres, où ça n'a pas été facile, il a fallu aller au combat, parfois face à une dynamique globale qui était hostile, en me disant que je m'éparpillais alors que je savais très bien ce que je disais, ce que je faisais. Il y a eu aussi, oui, je vois, ça parle un peu du troll. C'est vrai que bon, on a essayé de distiller deux, trois petites saillies comme ça pour pouvoir se mettre au niveau. Non, ça a été le meilleur. Et puis, Eric Sailly. Et Marcel de Sailly aussi. Ouais, Jamel Sailly. Très bon joueur. Non, ça a été le meilleur titre. Mais puis, si on ajoute à ça une Coupe du Monde globalement correcte. Avec Sébastien aussi. Non. Globalement correcte. Je vais pas dire bonne. Ne dis pas bonne. C'est pour ça que je dis globalement correct. Faut savoir ce qu'on veut. En fait, moi, si je veux juger Tidjani, je peux le juger rapidement. Bien sûr. Tidjani, pour moi, on est là pour ça. En termes d'édito et analyse, il a été, même dans le dépassement de fonction, etc., il est très très bon. Pour moi, ça a été le meilleur, ça a été une révélation, je l'avais déjà dit. Je sens les choses. Il y a quelqu'un qui nous rappelle Diego, 8 sur 10 pour son émission sur Noël Le Graët. Il est arrivé, mais Moi, je dis. Il a été très très bon sur l'édito. Après, le gros problème de Tidjani, il y a deux choses. Si on peut mettre des gros bémols, c'est sur toutes les émissions bilan. C'est-à-dire que les équipes types, tous ces trucs-là. Tu sais, quand tu dois faire des bilans, quand tu dois faire les tops, les flops, etc., là, il y a encore une grosse marge de progression. Et puis, bien évidemment, les prédictions. Tout ce qui est trucs, etc. On verra. Mais par contre, tout ce qui est édito, émission, etc., cette année, pour moi, ça a été le meilleur. Pour moi, ça a été le meilleur. Avec le petit Najim de Blanc-Ménil aussi qu'on a récupéré. Ouais, petite révélation Najim, mais c'est un peu le Yanis et Najim Benseguir. N'ont pas été assez présents pour qu'on ait matière. Ouais, c'est un peu le Elias Ben Seguir du WFC. On est Barcola et Ben Seguir. On lui met 8 ouais. pour la capsule Chelsea et pour la présentation. Ah oui, la présentation. Sofiane. Ah oui. Petit nouveau à la presse cette année. Qui? Toi, un petit nouveau consultant. Oui, écoute, moi, je vais résumer ça en disant que moins de présence, mais un côté indispensable dans l'ombre. D'accord. C'est-à-dire que si l'émission... Vraiment dans l'ombre. Non, mais voilà, on va le dire. Si l'émission tient sur ses deux pattes et ses deux jambes, c'est en grande partie grâce à moi. Grâce à Thomas, hein, quoi? On coupe pas la parole. Bon, ça, c'est du bon de ça. On est en train d'analyser. Je vous en prie. On est en train d'analyser. Tu m'enlèveras une petite prédiction. Allez. Mais non, ça a été... je vais parler au nom du groupe. Hein, parce que, voilà, j'ai envie de te dire... Fais-nous pas le capitaine, je vais te... Non, mais je vais faire un bilan général. Ouais. En termes d'RH, on est sur 3 800 euros bruts. Par émission. Non, moi, je suis très, très content de cette année, même s'il y a eu un creux, tu sais, un côté un peu difficile après la Coupe du Monde. Je sens que ça a mis un petit coup aux troupes. Comme on dit, mais je pense qu'en termes de... Très déçu par le résultat final. Dénouement, hein, l'équipe, on était très, vraiment très fâchés. Mais en termes de consistance, d'idées, on a lancé les quiz cette année. C'est vrai. Les gens sur le chat nous suivent de plus en plus. C'est vrai. Voilà, il y a toujours de la vanne, du troll qui est totalement accepté. Les gens, même en demandent. Donc, c'est une très bonne année. Très bien. Une très bonne année. Ouais. Belle parole, Sofiane. Voilà. Et on salue Yanis qui a été très très bon dans les quiz. Oh oui. Cette année, il a été mais extraordinaire. Salut à tous ceux qui sont en direct avec nous, les amis. Hein. Continuez à voter qui a été le meilleur consultant WFC 2022-2023. Il y a un petit duel, il y a un mano à mano entre Walid et Tidjani. Continuez de voter pour ceux qui sont en direct avec nous. On est presque 1300 déjà sur le live.
bombarder un maximum de likes. On fait notre bilan. On a fait des bilans championnats. Maintenant, c'est notre bilan. Voilà, on passe devant le juge. Voilà, quelle note pour les consultants. Juste, on va continuer. Du coup, est-ce qu'il y en a, Sofiane, je me tourne vers toi peut-être. Beaucoup de combats cette année, beaucoup de faux combats juste pour faire chier les autres. Ouais. Est-ce que tu as envie de t'excuser auprès d'un entraîneur, d'un joueur, t'excuser? Est-ce que tu as envie de faire un premier mea culpa aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que tu... un combat que tu as mené finalement... Ah. Un combat que j'ai mené finalement... Ah. C'est vraiment la définition. Ouais, je me suis laissé emporter sur Arsenal par rapport à la communauté qui m'énerve. Ouais. Et ça, je l'ai Twitter, dit. Twitter t'a pissé dans la tête. T'as sorti de ton. Ouais, ça m'a sorti de mon jeu. Ouais. J'étais plus en train de réfléchir à des tweetos qu'à Arsenal. Et je suis passé. T'étais dans un règlement de compte. Ouais. C'est devenu une affaire personnelle. Et encore, aujourd'hui, je me suis calmé. Hein. Sur les réseaux, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus détaché. Je suis grand. Hein. Mais sur Arteta, je me suis loupé il y a 2-3 ans en disant que ça n'allait pas marcher. Bon, il s'avère qu'il n'a pas été champion, mais il a fait quand même une saison exceptionnelle. Et en plus, avec un jeu très, très chatoyant, très alléchant. Mais le dénouement de la saison, t'as fait plaisir, quoi. Non, parce qu'en vrai de vrai, à mi-saison, ce que Arsenal a proposé, notamment sur la première partie, ce que Manchester City n'a pas proposé sur la première partie, au bout d'un moment, j'ai lâché les armes et je me suis dit qu'ils méritaient totalement leur titre. Après, l'autre, quand il nous a inventé son John Stones milieu de terrain, j'ai repris goût à la vie et j'ai repris goût à Pep Guardiola. Tu voulais qu'il se fasse torcher à tous les tours de Ligue des Champions ? Qui ? Pep ? Ouais. Oui, mais c'était pour un autre combat. Parce que des combats se chevauchent. Voilà. En fait, il y a des combats annexes. Là, j'étais sur un combat Thomas Tuchel par rapport à Walid. Voilà. Donc, je suis parti aussi sur ça, je me suis loupé. Mais sur parce qu'il faut savoir qu'ils ont beaucoup de combats à cause de moi, en fait. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Ouais. Les combats et les postures. En fait, tu nous provoques, c'est surtout ça. Mais en réalité, sur Arteta, globalement, je me suis trompé depuis son arrivée. Donc, bravo à lui. Très bien. Merci pour tous vos messages. Après, bon, c'est un mini combat. Me concernant. Vous mettez quelle note à moi? Ah bah du 7,5-8. Oui, mais c'est vérité. Ouais. Très bien. Vérité. Globalement, on est sur cette manière. Bon, après, je préfère Manu moi dans la presse, mais... Oui, ça c'est un détail. C'est mon avis. Bon, après, je les avis sont dans la nature. Parce que t'as passé toute la saison à me faire perdre sur des quiz. Ah non, j'ai pas eu besoin de ça. Si, t'as délibérément. C'est vrai que si tu me pointes, devait y avoir un petit bémol, c'est ça. Si tu me pointes pour tes défaites en quiz, regarde tes collègues. Non. C'est quand même pas de ma faute. Il y a quand même trois quiz. Il y a quand même trois quiz où il y a des tristes. Moi, j'ai raison. Ah oui. Regarde tes collègues, c'est pas moi qui t'ai fait perdre. Non. Tu vois le dernier quiz ou. Non, il y a trois quiz, il y a quand même trois triches délibérées. Non. Et puis il y a les triches qui sont tolérées et il y a les triches qui sont initiées. Et c'est ça, il y a les triches qui sont. Je me rappelle de Romain Bédouc ici même assis et c'est vrai que. Parce que je me souviens d'un quiz où je suis là, on est en train de gagner et Thomas incite fortement Gaël, dis qui doit être sûrement. Donc ton combat, c'est moi quoi. Il incite fortement Gaël à me changer pour que je perde. Et ça, c'est pas bien ça. C'est pas fait. Mais il l'a pas fait au final. Bah si. Puisque Gaël, il m'a pris. Ah, d'accord. C'est con, hein. Ouais. Ah, c'est con. Mais l'humain, et surtout, l'humain, c'est 10. Hein. L'humain, c'est 10 L'humain, le Gaal. C'est plus important. Ouais. Si l'humain ne prend pas sur le compte, l'humain, c'est le 10. Bon, c'est 10, sincèrement, ouais. Et le 10, c'est le S. Tid, Chelsea, non? Bon, tu l'as déjà fait, Chelsea? Chelsea, je l'ai déjà fait. Je pars du principe que tout est à plat maintenant. Okay. Voilà. J'ai pas attendu la fin de saison pour remettre les choses dans leur contexte. Non, peut-être, et de manière assez inattendue, Rennes, qui termine quatrième de Ligue 1, ce qui, dans l'absolu, n'est pas mal. Peut-être que dans la forme, il y a eu de temps en temps des mots un peu durs sur Rennes, parce qu'ils nous ont déçus. D'accord. Voilà, je ne retire pas le fait que Rennes nous a déçus, notamment en Coupe d'Europe. Mais à l'arrivée, ils finissent quatrième. Donc, il faut quand même, on va dire, tempérer un petit peu la virulence des remarques. Voilà. T'es pardonné. Toi, t'es pas pardonné encore. Toi, t'es pas pardonné. Avec tes propos fallacieux sur moi. Mais attends, mais j'ai pas à m'excuser. Bah, si, c'est faux ce que tu dis. Je n'ai jamais voulu te faire perdre. Bah, si. Vrai, ça a été délibéré. Non, moi, au contraire, en fait, j'ai pas de mea culpa. J'ai été archi fort. Non, je trouve que j'étais très, très bon globalement. Mais là où, en fait, je suis un peu déçu de moi-même, c'est que, et là, je dois m'excuser, c'est que. Il y a des combats où j'aurais dû y aller beaucoup plus franco. Beaucoup plus franco. Badabre, quoi. Et j'y ai pas été. Genre Liverpool en début de saison où je pensais vraiment que ça allait se vautrer totalement. Et j'y suis pas allé.
en début de saison notamment, où j'ai quand même mis, on en parlera dans les prédictions, Liverpool top 4. Et c'est quoi que, c'est un manque de panache. Ouais, c'est un manque de panache, j'avais peur de, je sais pas. Une incertitude. J'avais un peu de respect envers Klopp, ouais, etc. Ouais. Communauté agressive aussi par moment. Hein, communauté agressive par moment. Ouais, communauté aussi qui vient même devant les trois. En fait, c'est sur tous les réseaux, quoi. Voilà, exactement. Mais globalement, je te dis sincèrement, moi, dans mes combats que j'ai eu cette année, sur Ronaldo, j'ai eu raison. Sur Galtier, j'ai eu raison. Sur le PSG, j'ai eu raison. Non, mais là, il parle de moi, Après, j'ai. Non, mais quand j'y étais franco, quand j'ai vraiment. Vraiment, c'était un combat, quoi. On y allait, on se levait tous les matins et on y allait. Je trouve que j'ai eu globalement raison. Mais ouais, sur Liverpool, par exemple, je sentais, après la saison dernière et après le départ de Mané et l'arrivée de Núñez, que ça allait être très, très compliqué cette saison. Et je suis resté un peu le cul entre deux chaises. Et j'aurais pu y aller bien plus fort. Je te mets du sursis alors pour l'année prochaine. Voilà, ouais, ouais. Mais globalement, je trouve que... Tu recommences, on mettra du ferme. Globalement, mes combats ont été plutôt... Bon, c'est bien. Gagnés. C'est bien. J'avais fait un mea culpa sur Tudor très rapidement, aussi, en émission. Tidiani, à 1% près, tu as été élu meilleur consultant. Mais arrêtez. Bravo. Bravo Sofiane. Hein. Mais moi, de toute façon, je n'ai aucun problème parce que déjà, je suis moins présent. Et de deux, j'ai le rôle du guignol. Et j'adore ce rôle. T'as le rôle du guignol, toi ? Non. Ouais, non ? Non. Tu non. Très, très sérieux, toi, mon non, pote. Bah non. Ouais. Non, t'es un mec. Non, ça va, ouais. T'es un mec sérieux. Merci. Ouais. Il y a eu plus de 500 votes. C'est fort. C'est le sondage où il y a eu le plus de votes. Autant qui voulez-vous sur le banc du PSG ? Alors là, on y va. Et 500 votes. Ouais, il le voulait. Ah ouais, c'est incroyable. Sofiane, on va juste remettre le premier extrait de l'émission. Ah. Je voulais juste savoir si tu voulais présenter tes excuses à un ami. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ça a été un des moments où on a quand même bien rigolé cette année. Je vous laisse regarder. Donc, tu me dis si tu veux présenter tes excuses. D'accord. À cet ami, je vous laisse regarder. C'est une chose que nous n'avons jamais vu. Moi, j'aime mes amis, mais j'aime la victoire. Et donc, puisqu'on a la possibilité de faire un petit remplacement, ouais. Et que nous allons avoir le Oura Football dans quelques instants, ouais. Je vais récupérer Tidiani. Oh là, changement. Changement à la place de qui ? Et je vais continuer de faire confiance à Romain. Changement. Je pense que c'est un des meilleurs moments de l'année. Vraiment. Voire de l'histoire du WF. Mais c'est là. En fait, ton ami, Sofiane. Non, parce que on a travaillé pour l'entertainment. Et c'est là que je m'inquiète énormément et que ça va finir par déborder même sur ma vie personnelle. Ouais. C'est que. Tu trolles tout. Tout est au-dessus. Enfin, il n'y a rien au-dessus de l'entertainment. C'est-à-dire que je peux faire ça, genre dans une situation en garde à vue, par exemple. Ok, au commissariat, ok, j'ai volé, non ? Non, mais là, en vrai de vrai. En même temps que je fais la séquence, je le jure que c'est vrai, je ne sais pas que je vais dire Walid jusqu'à la dernière seconde. Comme Zidane à la Panenka 2006, quoi, il savait pas quoi. Ouais, peut-être. Ouais. En même temps, tu dis pas Walid. Oui. Tu dis je vais continuer de faire confiance à Romain. Jusqu'à et moi, la dernière je trouve seconde, que la phrase est particulièrement folle parce que ça veut dire que non, en fait, pas, plus, tu même pas tu lui dis en face, même pas tu l'incrimines directement. Non, en fait, je voulais pas dommage collatéral, Walid. Non, mais ce qui fait rire, c'est que Walid, il est persuadé qu'il va pas être changé, donc il rigole. Et là, je faisais un quiz incroyable. Romain, il a pas fait une réponse. Et Malu en a pris, il a perdu le quiz. Ah, bah, bien évidemment. Parce qu'encore une fois. 6 victoires sur 7 quiz. Exactement, parce qu'encore une fois, ça, on en a pas parlé dans mon bilan, mais 6 quiz. Et je trouve que. Là, tu sais toujours pas excusé sur les quiz, il préfère m'accuser. Exactement. Mais bon. Au lieu de se remettre en question, il préfère m'accuser. Je trouve qu'encore une fois, dans le bien vivre ensemble et dans le fait de stimuler un peu mes camarades, j'ai été très très bon là-dessus. Mais bon, j'avais perdu un ami pendant un mois et demi. Bon, finalement, après, voilà. Parce que moi, pas se retrouver. Parce que moi, j'ai quand même le cœur sur la main et je suis quelqu'un quand même de bon à la base. Ouais. J'ai fait un premier pas vers lui. Mais je l'ai très très mal vécu, ça. J'ai très très mal vécu parce ça que ça, pour moi, l'amitié, c'est jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. C'est... Tu vois, c'est on y va. Ah, mais là, fallait gagner. C'est en toute circonstance, quoi. La victoire doit passer. Par exemple, quelqu'un de Mokolo ne m'aurait jamais fait ça. Et je le sais très très bien que toi, tu ne m'aurais jamais fait ça. C'est un bon résumé de ma vision. C'est peut-être la marge de progression. C'est un bon résumé de ma vision. L'année prochaine, il va peut-être se braquer du coup. L'année prochaine, il n'hésitera pas à crever. Tu sais, si tu veux, on doit gagner plus de quiz. L'émission, elle est au-dessus de tout. Elle est au-dessus de l'amitié. Bah, regarde bien, les seuls quiz que tu as gagné, c'est avec moi, mon copain. C'est pas faux. Allez. On va commencer les amis, on va commencer par les bons points et la masterclass, c'est parti.
Qui remportera le trophée de la meilleure prédiction? Ils sont beaux, hein? Ouais. Ça a de la gueule, ça, dans un appart, ça passe bien, ça. Ça, c'est un nouvel appart. C'est vrai. On verra si tu... La meilleure prédiction 2022, 2023. Je vais faire comme ça, hein, pêle-mêle, par compétition. Il y en a combien, en fait? Il y en a pas mal. Ah ouais? Mais il y en a, on va passer, tu vois, je vais juste dire ce que vous avez dit, ce que je retiens. Il y en a, il y a des prédictions que je ne vais pas dire. Parce on, pourra voter. On pourra voter. Vous pourrez voter et pourrez influencer les votants. Okay. Surtout, c'est le principe d'un tribunal complètement... partial. Partial. et non objectif. Anthony Partial. Exactement. Anthony Partial. C'est très, très bon. Très bon, on va commencer par la Ligue 1, notre bonne vieille Ligue 1. Ah oui. Évidemment, je vais commencer par un homme. C'est évidemment Elton Mokolo. Elton Marvin Mokolo. Sa première prédiction, c'est l'une des meilleures prédictions. Je vous laisse écouter ce qu'il nous a mis, comme prédiction Ligue 1. Lens sera européen. Ah oui. Lens sera... Est-ce qu'ils étaient européens cette saison? Non. Alors c'est pour ça que moi je mets Lens européen. Vas-y, va me chercher du caramel. avec un mercato qui, avec un mercato qui a été intéressant, avec Openda qui est arrivé, Jimmy Cabot qui est arrivé, t'as la perte de Klose et de Doucouré. Mais tu perds au champ avec Cabot quand même. Oui, mais ce que je veux dire par là, Lens, pour moi, devrait être européen parce que je pense qu'ils vont profiter du fait qu'il y a la Coupe du Monde. Ils sont capables d'avoir une dynamique qui leur permette de devenir européen. Lens sera européen. Pas mal, pas mal, Elton. Pas mal. Ils n'étaient pas l'année dernière. Une réaction honteuse de Sofiane, même Walid se moque un peu. Non, non, je me moque parce que lui... Sur la séquence, tu dis... Ah, mais je me moque parce qu'il fait une figure docile par rapport à... Non, mais tu fais des Westerners. Non, mais parce que c'était l'idée des prédictions. C'est pas extraordinaire. Non, mais c'est bien. Lens sera européen, c'est une très bonne prédiction. On aurait dû dire la Ligue des Champions. Par contre, la séquence que j'ai un peu grossi quand même. Tout le monde a grossi. On a quand même pris du poids. Non, Tid, il est... Ouais, pas changé. Maintiens. Après, c'est sûr que manger 4 cacahuètes par jour n'aide pas forcément à prendre du gras. Moi, j'ai maigri. Hein? Moi, j'ai maigri, moi. Oui. Mais oui, sur Elton, moi, je voulais quand même un petit bon point parce qu'après, on va le défoncer. Donc, autant profiter maintenant. Parce que Lens européen, c'était pas si évident. Il finit 7e l'année dernière, ouais, ok. Mais tu pouvais dire, avec les départs de Klose, de Doucouré, de Kalimuendo en retour de prêt. Ouais, dire, déjà 7e, tu pouvais dire à l'époque, par rapport à leurs moyens, que c'était déjà pas mal. Non, non, mais voilà, pour rappeler un peu de vive voix, ça aurait pu être compliqué. Finalement, il s'en sort bien. Par contre, c'est vrai qu'il aurait jamais vu cette chemise. Il aurait pu aller au bout. Il aurait pu aller au bout. Il aurait pu aller au bout. Et s'il me balance un Ligue des Champions, là, il a la prédiction. C'est vrai, c'est vrai. C'est là où la nuance peut se faire dans le cadre de la prédiction. Ouais, mais attention. Après, s'il dit Ligue des Champions, je lui crache dessus. C'est son mec, c'est son manque de pelotasse, peut-être. Non, mais c'est une pression. Je lui crache pas dessus parce que moi j'ai beaucoup de respect pour la personne déjà d'une. Et ma salive, c'est très mauvais. Exactement, j'ai une mauvaise haleine. Et la deuxième des choses, c'est que comme pour Liverpool tout à l'heure, t'as pas été au bout du truc. C'est vrai. C'est un peu le petit regret. Ouais, mais l'idée était là. L'idée était là. Bah, mais attends, il faut mesurer la prise de risque parce qu'à tout moment, c'est le travers. Ouais. Et si c'est le travers, là, tu passes dans l'autre catégorie, celle des prédictions qu'on veut pas que tu veux pas qu'on te rappelle. On lui en aurait pas voulu. On lui en aurait pas voulu. Je l'aurais pas voulu. On va rester sur Elton. Ouais. On va faire bonhomme par bonhomme. En Ligue 1, Tolisso, Starkey, flop. Pas mal. C'est pas mal. Et Lyon hors top 5. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu nous fais non, non, attention, valorise du hors top 5 parce qu'on est plusieurs cons à les avoir mis sur le podium ici. Bon, moi. Il nous fait une. Très bon. Le premier coach viré, il a hésité longtemps avec Peter Bosch. Ouais. Qui a été le premier coach licencié. C'est ça, ouais. Donc globalement, tu nous fais une bonne Ligue 1. Non, sur Lyon, j'ai toujours été serein sur la qualité lyonnaise. C'est vrai, sur Lyon, bravo. Très bon. On va passer à Soso. Sofiane, Ligue 1. T'as failli passer tout proche. Ouais. En regard de la prédiction de l'année. Nantes. Pour moi, ça va être la grosse surprise négative de la saison. Mais c'est osé, mais j'assume. Non. C'est une équipe qui va jouer la Ligue Europa très tôt cette année, en septembre. On est sur un coach, Antoine Comboiré, qui est déjà en embrouille avec Kita depuis l'année dernière et qui a commencé sur l'intersaison à critiquer le mercato de cette équipe-là. Je pense que la perte de Kolo Muani non remplacé est très importante. Ils ont pris Bamed, aussi. Ouais, super. Du côté de Basse et tout, comment ça va se passer. Mais attention au contre-coup. Attention au contre-coup de l'année dernière exceptionnelle. Je pense que c'est totalement Kita compatible. Une saison terrible pour eux, même si je ne le souhaite pas. Pas mal, dommage. C'est pas loin. Dommage. C'est pas loin, mais c'est passé à ça. Ça tient à Radu, quoi. Radu qui sort de ce... Radu qui pointe disaster class. J'en avais 3 sur 4, moi, quand même. Je suis content. Je suis content pour mes amis nantais, mais ça fait... ils finissent quoi? Égalité de points avec le premier relégable. Un point au-dessus. Donc on est vraiment, vraiment pas loin. Dommage. J'aurais gagné le titre, là. Ah, toi, Patolin, tu nous as dit aussi que Lacazette, il tirait Mbappé pour le titre de meilleur joueur.
sous les rires. Sous les rires du plateau. C'est vrai. Il a pas titillé meilleur joueur. Il n'était pas dans les 5. Le meilleur buteur. Meilleur buteur. J'ai dit que la casette mettait au moins 20 buts. Ouais. Bravo, bravo Sofiane. On va passer à la table d'en face. Walid, on va regarder tes prédictions Ligue 1, c'est en graphe. Milik, la star qui va flopper, bravo Walid. Bah ouais, mais après il s'est fait. Mais après, il est parti rapidement. Oui, d'accord, oui. Il a flopé. Ouais, t'es pas là donc. Il a pas joué. Oui, il a tout bon ce con. Hein. Strasbourg hors top 10. Ouais. Bah du coup, vu qu'ils ont fini 15, 16. Ouais, par là. Pas mal. Et champion, et PSG qui sera champion avec moins de 10 points d'avance. Il a tout bon. Un point. Pour bravo, le bravo, c'est bravo, bien. Bravo, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bah oui, non, je les avais oubliés. Je les avais oubliés. C'est pas mal. C'est fort. Oui, PSG. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Et Nain, t'étais plus fort que l'autre Le Strasbourg. Le Strasbourg, ouais. Avec Strasbourg, après, parce qu'ils après une bonne saison. Ouais, ils ont terminé 6e l'année dernière, non? Bah, ils jouaient l'Europe, ils jouaient l'Europe à la dernière journée. Pendant longtemps, etc. Ouais. Je chantais. Non, moi, c'est davantage le PSG que je mettrais en œuvre. Ah ouais, ouais, moins de 10 points d'avance et tout. PSG. Quand tu regardais les autres équipes sur. Parce que l'année dernière, ils avaient terminé 15 points. À 15 points l'année dernière. Ouais, mais quand tu regardais les autres équipes sur la ligne de départ, c'est-à-dire l'Olympique de Marseille venait de voir Sampaoli partir. Le troisième, c'était Monaco. On se disait, ouais, attention par rapport à l'enchaînement Ligue des Champions, etc., etc. Non, bravo. Même remarque que pour les amis juste avant. T'es allé sur un moins 10. Peut-être que le panache aurait dû te faire aller sur un moins 5. Ouais. Tu vois, histoire d'être encore un petit peu plus dans l'audace. Mais bon. Ouais, c'est pas faux. Exactement. On va passer à la première ligue. Les amis, je reste sur toi, Walid. Tu nous as dit. Ça, c'est quoi là? La première ligue. Que Darwin Núñez ne serait pas un titulaire avec. Indiscutable. Ouais. Avec Liverpool. C'est pas mal ça aussi. Oui, c'est pas mal. Tu l'as senti la fronde? Ouais. Après, bon, on va déplaise à. On va attendre, on va attendre la deuxième saison. Non, c'est bien une saison. Exactement, oui. Mais pour moi, Núñez. Tu nous as dit aussi Mudryk, top 3 des meilleurs recrues hivernales. Mais ça, c'est pas. Oui, ça, c'est. On en parlera après, ça. Ça, c'est pas. Mais c'était pas en émission, ça. Ah, c'était pas en émission. Sur un top 3. Ah, sur un top 3, d'accord. Ah, bah, c'est autre chose. On sort bien. Et oui, je voyais Núñez être en grande difficulté et Liverpool en grande difficulté. Donc, ouais, c'était une prédiction qui se défendait. Tidiani. T'étais pas là sur la Ligue 1. Non. Mais t'as été très fort sur la première ligue. Regardez les prédictions de Tidiani. Leicester jouera le maintien. Fort, ah ouais. Leicester est descendu. Ah ouais. Guimaraes sera un top joueur de première ligue. Ouais, et Chelsea sera hors top 4. Alors que tout le monde sur le plateau. Guimaraes, c'est pas fou. Alors que tout le monde avait mis Chelsea sur le podium. Guimaraes, c'est dans les 8 potes. Ouais. C'est ça. Ouais. Faut être quand même précis. Ouais. Je l'avais mis nommé dans les meilleurs joueurs de la saison, ce qui n'a pas été le cas. Non. Oui, dans les 8 meilleurs. Pour moi, je le voyais nommé dans les. Mais il a été ou il a pas Non, il a pas été, je crois. Ah, mais je sais pas, c'est qui les 8 en fait. Je crois pas qu'il l'a été. Ils sont sortis les 8 ? Ouais, ils sont sortis, il est pas dedans. D'accord. Mais bon. Non, c'est pas une bonne saison de Guimaraes. Parce que Guimaraes, top joueur PL, il l'était déjà avant. Après, là, je m'attarde plus sur Leicester qui descend. Ouais. Et Chelsea qui finit hors top 4, alors que vous avez tous mis Chelsea dans votre top 4. T'as mon masterclass sur Chelsea ou pas ? Je viens d'y penser. Sur Thomas Tuchel. Sera viré ? Ouais. Non, mais je me suis noté. Mais sera viré très vite. Ouais, sera viré très vite. C'est pas mal. Là, pour le coup, c'était. Mais bravo, Thiel. Ouais. Chelsea, un combat de l'année te concerne. Mais justement, ce n'est pas un combat. C'est bien ça qu'il faut que chacun se mette dans la tête. Ce n'est pas un combat. Moi, je n'ai pas de combat, ni pro, ni contre, ni quoi que ce soit. Oui, après, c'est devenu un combat. Je constate des choses. Non, mais c'est devenu un combat par rapport à la posture qui est prise par certains détracteurs. Voilà. Mais en aucun cas, je n'ai un agenda contre Chelsea. Oui. Moi, il y a deux ans, on a fait des émissions ici pour louer. Oui. On verra. Quelle est la meilleure prédiction du WFC 2023 ? Je vous laisse voter et j'irai remettre la petite statuette ici présent. J'en ai choisi 4. C'est moi qui ai choisi. Le juge a tranché. J'ai mis Lens européen. C'est pas mal. Le PSG champion avec moins de 10 points. Je trouvais ça quand même pas mal. Leicester qui descend et Lyon hors top 5. Voilà, vous tapez Lens. J'aurais mis non. Donc il n'y a plus une seule bonne prédiction. Bah non, c'est pas avéré. Il n'y a plus une seule bonne prédiction. Ça y est, c'est terminé. Maintenant, c'est les saucisses. Ouais. Là, après, c'est terminé. Okay. Parce qu'en Liga, vous avez été catastrophique. Okay. En Serie A, vous avez été catastrophique. Ok, d'accord. C'est bien en Ligue des Champions, vous n'étiez pas ouf. En Serie A, moi, j'avais dit que Pogba était le joueur star qui allait flopper. J'ai peut-être raté cette séquence, alors. Ah, autant pour moi, j'ai peut-être raté cette séquence. Et la Coupe du Monde n'entre pas en ligne de coupe. Et Lukaku aussi, j'avais mis.
Et la Coupe du Monde, il n'y a rien en fait que j'ai trouvé. Rien de sur bravo. Ouais, okay. Là, je me pas. Mais on a tout regardé. Enfin, je pense que celui qui d'accord. met en début de saison. Donc, Maroc, par exemple, la Croatie en demi-finale, franchement, n'avait pas sa place là. Et je méritais mon Nantes. Ouais, mais en fait la Croatie en demi-finale, c'était pas mal. C'était mais ce qui m'a. Mal, c'est que tu avais mis deux équipes dedans et c'est tellement pollué par le reste que j'ai envie de te sanctionner. Je te laisse pas. Il n'y a pas de problème. Je te mets pas en liberté après ce que tu nous as chié sur la Coupe. Il n'y a pas de problème. J'entends. Moi, je pense que j'accepte. Leicester. Ouais, on va pas faire trop durer le suspense. Vous êtes d'accord? Leicester. Oui, pour vous, c'est Leicester? Oui. Leicester, c'est fort. Ouais. Didiani, je viens de te remettre ta petite statuette. Ouais, c'est un bravo, bravo. J'ai pas la musique des Oscars. Mais. T'en as des trophées chez toi quand même, cochon? Ouais, bah j'ai le premier quiz de la quiz, tout à fait. Et une poignée de main quand même. Poignée de main. Voilà. Le juge qui serre la main du. Très important. C'est pas mal. Voilà. Mais j'ai très bien. La elle est à vous aussi, hein, les Winami, bien évidemment. Ils sont bien foutus ces trucs. Sans vous. Ils sont forts, Amazon. Ils sont forts, Amazon. Ouais, parce que je croyais que c'était un vulgaire plastoc. C'est un plastoc, mais qualitatif, quoi. J'ai trop chaud. Non, c'est. Beaucoup trop chaud. Ah non, mais. Belle statue. Je vais venir jusqu'au bout. Non, mais je m'aère. Ah d'accord, ok. Donc, une serviette éponge, s'il vous plaît. Ouais, petite éponge. En plus, je fais l'émission de ce soir. J'ai et un pulco aussi. Dans un état pitoyable. Quelle est la meilleure prédiction du WFC 2023, pardon? Vous avez voté Leicester à quasiment l'unanimité. Merci à vous, les amis, d'être avec nous, de voter pour ces différents prix, évidemment. On rappelle, ce soir, le match de l'équipe de France face à la Grèce sera débriefé, évidemment, en direct, au coup de sifflet. Le match également sera commenté. Et puis on va continuer après notre semaine tranquille. On va suivre le mercato. Demain, on parlera probablement de Luis Enrique. Je vous remercie évidemment pour votre fidélité. Tous ceux qui sont en direct avec nous, on est presque 1500 sur le live. Donc merci beaucoup. On va attaquer les Disaster Class. Envoyez un maximum de likes. Hein, évidemment, c'est important, les amis, pour soutenir le WFC. On est presque aux 300 pouces. C'est parfait. Vous bombardez les likes. Il y a Idriss qui nous demande comment voter. C'est tout simple, en fait. La réponse que tu vois affichée. Tu tapes dans ton chat, par exemple là, si tu voulais voter pour le PSG champion avec moins de 10 points d'avance, tu tapais PSG sur le chat et ta réponse était automatiquement prise en compte. Voilà les amis, vous continuez à nous mettre des petits likes et c'est l'heure de passer au Disaster Class. La guerre. mes cheveux. Elton avec la perruque, ça doit être quelque chose. Tu veux la remettre, la perruque? Tu veux Vas-y. tu la testeras quand tu auras reçu ton prix de la saucisse. T'as déjà teasé, en fait. Oui, exactement. Donc, la Disaster Class du WFC, on va élire le pire du WFC. On passe aux choses difficiles. Ouais, évidemment, on a fait les bonnes choses, on va mettre les moins bonnes choses. Ça fait partie du jeu, c'est aussi bien de reconnaître sur quoi on s'est trompé. Après, il faudra expliquer pourquoi on a dit ça. Va falloir se défendre un petit peu. Mais du coup, là, on a mis la crème avant les coups de fouet. Normalement, on met d'abord les coups de fouet et ensuite, on passe un peu la crème. Parce que les gens, ils veulent du sang, ils attendent le sang. Exactement. Ouais. Et bien, c'est l'heure. Sinon, tout le monde se serait barré pour les bonnes choses. Ouais, tu penses? Ça aurait pas été drôle. D'accord. Ça aurait pas été drôle. On va reprendre sur la Ligue 1, les amis. Je vais juste faire un petit peu, là, je vais les faire à la voix, vos podiums de Ligue 1. PSG. PSG, Lyon, Monaco pour Walid et Sofiane. PSG Monaco Rennes pour Elton. Bon. Il y en a deux sur trois qui ne sont pas sur le podium. Bah ouais, ça fait quand même beaucoup. Il y en a même un qui n'est pas européen. C'est vrai. PSG Lyon Monaco Walid. On s'est totalement trompé. On a abusé sur Lyon. Vous êtes fait trahir par Lyon un peu. Lyon s'est fait abuser. Vous êtes fait eu. Vous êtes fait en plus, au fond de moi, je savais qu'ils allaient nous dinder, mais je me dis, c'est pas possible qu'ils finissent hors podium avec un match par semaine et un effectif sur le papier, même si ça me faisait pas faut savoir monter au plafond. On l'a fait avant que Paqueta parte aussi. Aussi. Oui. Aussi. Mais je pense, c'est terrible, mais je pense que je les aurais quand même mis podium. Non, moi, sans Paqueta. Donc, sur Lyon. Sur Lyon, il y a un regret parce que, tu sais, il y a des trucs que je vois et je me dis pas de regret parce que, franchement, au moment où je dis le truc, j'y crois. Lyon, au fond de moi, je me disais, ils vont nous dinder. Et donc, les mettre deuxième, c'est globalement honteux quand même. Évidemment. Et Elton, Monaco, PSG. Monaco, j'arrête. C'est la dernière saison. On est vaccinés, je pense, là. Pour c'est bon, stop. C'est vrai qu'ils sont relous. Ouais, c'est bon, stop. Ouais. Complètement. Toujours brossé. Complètement. Ils nous Elton, qui vous avez mis PSG, Monaco et Rennes. On va rester sur Walid. Ouais. On va regarder un. Qu'est-ce qu'il a dit Walid? Une prédiction. Ouais. Sympatoche. Ouais. Qui peut faire sourire, même si on peut la nuancer. Ouais. Aïe, aïe, aïe. On la regarde. Allez. Allez, c'est parti.
Je pense que Belaïli, cette saison, à Brest, il va se révéler et il marquera 10 buts en Ligue 1 ou même tant de compétitions confondues avec peut-être la Coupe de France et qu'il sera une réussite pour Brest. Voilà, Belaïli. L'effet visuel, il est totalement dingue. Moi, j'en défends. Avec le bruit. Je vais défendre. Alors, s'il vous plaît, la parole n'est pas à la défense, la parole est à l'accusation. Levez les mains. Levez les mains. Accusé à Cherchour. Belaïli à Brest. Il a fait plus d'appartements de coups. Voilà. Il a plus d'appartements pourris que de buts marqués parce qu'il a zéro but marqué avec Brest. Il s'est rattrapé avec Ajaccio. Il a marqué 6 buts et 5 passes D, mais c'est 0-0. Avec Brest, accusé à Cherchour, la parole est à la défense. Oui, voilà, on a voulu pousser la communauté, se rapprocher des nôtres, faire un coup médiatique. Avec Youssef, on y a cru. Ah, malheureusement, il nous a crevé, quoi. Il nous a crevé. Et voilà, c'est un peu l'histoire de la carrière de Youssef Belaïli. Il a passé plus de temps à être recherché, à payer des cautions. Mais globalement, voilà, c'est le côté Brest qui me fait beaucoup de mal. Ouais. Parce que voilà. Le côté Ajaccio, j'ai envie de t'enlever les menottes. Voilà, il retrouve un club derrière, il fait 6 buts, 5 passes D. Et encore derrière, il refait des histoires. Ajaccio, où tu le trouves plus pendant 3 semaines, 1 mois. Et ses coéquipiers savaient vraiment donc, pas. Donc je pense qu'en termes de minutes, il sait pas. C'est pas le joueur le plus ridicule, tu vois. Bon. Mais bon, voilà. Avocat Mokolo, vous voulez prendre la défense de M. Acharchoua? C'est vrai qu'il y a un élément que j'avais oublié, c'était avec Brest. Ouais. Parce que sinon. Il a dit Brest. Ouais, c'est ça. Après, il part au bout de combien de temps? Bel avocat, hein. Après, il part au bout de combien de temps? Je vais commencer. En fait, j'aurais pas dû dire Brest. J'aurais dû dire Belaïli. Exactement. C'est vrai que Brest, c'est un flop absolu. Ah oui. Ah oui, ces appartements bretons. On s'en souvient. Voilà. Quelque chose à rajouter sur Belaïli, sur Walid? Non. J'ai pas trouvé d'autres pièces à conviction sur la Ligue 1. Ah bah ça va. Ça sent plutôt pas mal. Si c'est juste ça, 6 buts, 5 passes D au final. Ça va. Allez, on commence. Après, plus on ira vers le bas, plus ça sera. Attends, mais Brest, il reste un mois et demi. Tu peux pas juger sur un mois et demi. Non, mais les circonstances de ce qui s'est passé. Tu pars pas en prédiction sur un joueur qui est pas fiable. Elton. Pète entre les doigts. Ajaccio, il a mis 6 buts, 5 passes D. Je suis désolé. Accusé Mokolo. Si on peut faire rentrer le tueur en série. Accusé Mokolo au barreau. Ouais. Ah, pas vraiment au barreau. Aucun avocat, vous le gardez sa cause. Pardon ? Aucun avocat, j'ai. Là, avec ce qui va suivre, je pense que même les meilleurs avocats de la France et de Navarre. Exactement. J'ai tenté Dupond-Moretti jusqu'au bout. Il prend perpète. Il est occupé. Ouais. Il prend perpète. Prédiction Ligue 1, Elton ? Ouais. C'est pas vraiment une prédiction. C'était quoi ? Une prise de position. Mais qui sonnait comme une prédiction. L'annonce. On regarde. L'Olympique de Marseille a surtout besoin de renforcer qualitativement son 11 de départ. Et moi, c'est par rapport à la question, Alexis Sanchez à l'OM, pour vous, c'est inutile. Accusé Mokolo. Accusé Mokolo. Alexis Sanchez est un transfert inutile. Mais le pire, c'est que là, il est seul. Hein. Parce que même nous, on n'est pas d'accord. Qu'avez-vous à répondre pour votre défense? Ouais. Parce que là, la cour. La cour plaide la perpétuité. Ouais, t'es assis à côté d'un criminel. On a pris 20 piges. Si je peux me défendre. Allez-y, défendez-vous. Alors si je peux me défendre, et en plus d'ailleurs, voilà, je l'ai dit. Non. Et on peut le revoir vite fait. On va quand même. Vous voulez revoir les pièces? Oui. On va remettre la pièce à condition. Allez, on y va. Si on peut la remettre en régie. L'Olympique de Marseille a surtout besoin de renforcer qualitativement son 11 de départ. Et moi, c'est par rapport à la question, Alexis Sanchez à l'OM, pour vous, c'est inutile. C'est de la folie. Ouais. Elton Marvin Mokolo. Oh, c'est parti de la trop tôt. Folie. Par contre, c'est vrai que c'est relevé par le compte Wina. Regarde bien le nombre de votes à l'époque sur le transfert d'Alexis Sanchez. 44% de. Ah non, mais se servir, c'est petit. Non, je te dis bien. Non, je te dis qu'à l'époque, quand Alexis Sanchez sort de ses deux années. Pas ici. Non. Ah, t'as envie de mettre perpète aussi au chat? Non, je te dis pas ça. Ah d'accord, tu accuses le peuple. Tu prends non, pas la raison. Non, c'est toi, ils te suivent. Ils te suivent, t'es un influenceur. Tu es un leader d'opinion. C'est pour ça que je vais pas me dédire quand il sort du côté de l'Inter. C'est vraiment pas satisfaisant. Donc, tu veux pas te défendre. Moi, j'avais de sérieux doutes quand tu veux vraiment pas de perpète. Hein? Tu veux vraiment prendre perpète? Ah, mais moi, je suis prêt à prendre perpète.
si tu veux, moi je suis comme Julien Sorel. Non, dans, le rouge et noir. J'assume. À savoir que Alexis Sanchez, à l'époque, je pensais que c'était. Non, non, c'est Julien Sorel, le héros principal. Tout ça pour dire qu'à l'époque, je pensais que c'était inutile. À savoir, entre le fait d'être un joueur de rotation à l'Inter et passer en tant que leader de l'Olympique de Marseille, pour moi, il y avait un gap. J'ai te dire, de j'ai fait, inutile. J'ai fait. Inutile. Monsieur le juge. Les images sont accablantes, si je peux me permettre. S'il vous plaît, j'ai fait énormément d'audience à la cour, énormément. Des tueurs en série. J'ai fait des. Des innocents parfois. Des directeurs sportifs un peu chelous. Des trucs. Vraiment des trucs impensables. J'ai jamais. Des carjacking. Des trucs sombres. Des carjackings, des trucs très sombres. J'ai jamais entendu une prise de position aussi honteuse et criminelle. Non, non, non. Alors criminelle. Là, pour le coup, c'est de la criminalité. S'il vous plaît, taisez-vous, taisez-vous. Accusez-vous, Colo. La parole est à. Non, s'il vous plaît. Je vais peut-être finir à Alcazar, mais il y a deux choses. Déjà, je ne vais pas me dédire par. Alcaraz, il joue à. Est-ce qu'on peut le ramener, les bouées? Les bouées, les bouées. Les sachets bouées, s'il vous plaît. Les flotteurs, s'il vous plaît. Non, je ne vais pas me dédire par rapport à prise de position initiale. En revanche. Pour être dans la thématique de l'émission, il y aura un mea culpa sur l'énorme professionnalisme d'Alexis Sanchez. Ah d'accord, juste ça. Allez, on passe de perpète à 60 ans. Sur son niveau, à la limite. Alors par contre, son professionnalisme, oui, excellent. Encore une fois. S'il vous plaît, taisez-vous. À gauche. C'est un mec comme ça. À gauche, sur l'accusé Mokolo, qu'est-ce qu'on... Non, mais c'est honteux, mais au moins... S'il vous plaît, taisez-vous. Taisez-vous, monsieur Mokolo. Monsieur Mokolo, taisez-vous. Il n'y a aucun élément positif. Monsieur Mokolo, taisez-vous. Non. Faites-le sortir de la salle. Et en plus, sincèrement, c'est petit parce que je le vois sur le chat. Il y en a qui disent, mais attendez, des pauvres personnes qui regardent l'émission, qui ont voté comme ça un peu à l'emporte-pièce. Parce qu'il faisait confiance à Mokolo. Il le met dedans. Il est en train de faire passer ça pour un popular opinion en plus. Ouais. En début de saison. Mais c'est absolument honteux. C'est absolument honteux. Reconnais. Arrête d'être têtu. Thierry Henry sur Prime Vidéo, il disait quand il sort de l'Inter. C'était une opinion qui était partagée. C'est toi. Eh ben oui. Elton Mokolo l'a dit par rapport à ce qu'il dit. Si c'est à refaire, je le referai. Ah d'accord. Si c'est à refaire, je le referai. Allez, la perpétuité. Allez. Tais-toi. Souvent l'histoire de ces clubs. C'est terminé. Allez, s'il vous plaît, sécurité! Sécurité! Big John! Faites entrer Big John! Big John, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez sortir le monsieur? Non mais, allez, on passe! Qu'Alexis Sanchez, taisez-vous! Taisez-vous! On sautait! Je vais même te dire, je suis content de vous. Non mais, s'il vous plaît, merci. Allez, on continue. On va aller en Ligue des Champions. Ouais. La grande compétition. La coupe aux grandes oreilles. Walid! Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? On regarde encore un truc sympatoche? Allez, on y va! Allez, c'est parti! L'Inter, le Napoli. Ouais, pour moi c'est si ça fait huitième quart de finale déjà ce sera très bien. Déjà en plus l'Inter et Naples sont dans deux groupes très compliqués. Ouais, c'est vrai. Pas simple. Donc on n'a pas encore d'équipe entre guillemets. Ça va mieux, hein. C'est de mieux en mieux, etc. Mais on n'a pas d'équipe où tu te dis purée, eux ils sont un candidat crédible même pas la victoire finale, mais une finale ou une demi, quoi, en dernier carré encore. Moi, en tout cas, j'ai pas cette impression-là. Ouais. Bon. T'as pas cette impression. L'Inter en finale. En demi. L'Inter fait finale. Ouais. Et Naples n'est pas. Tranquille. On est en début de saison. Ouais, tranquille. Tu n'avais pas cette impression-là. Ouais, le football, encore une fois, est assez mystérieux. Bien sûr. L'Inter a profité aussi d'un bon petit concours de circonstances. Bien sûr. Avec un bras. Pour le coup, j'étais prêt à défendre, mais là. De quoi? J'ai quand même ressenti. Bah, je suis désolé, mais attendez. La parole est à l'accusé. Ah, mais moi. Comment on dit. Mais moi je pensais que le Barça allait sortir l'Inter en poule. Ils sont. Belle prédiction. Ah bah voilà. C'est le principe de l'émission. Mais je pense que tout le monde pensait que le Barça allait sortir l'Inter. Moi je voyais l'Inter. Non. En finale. Alors, sur l'émission. Tu vois. S'il vous plaît. Non, j'ai des conneries. Ah d'accord, ok. Par contre, Tidiani, top. Tidiani. Non, mais lui, arrête. De faire l'international, là, je sais pas quoi. Il a vu un match à San Siro en 99. Arrête. S'il vous plaît. Arrête. C'est pas parce que tu cries. Arrête, il a pas vu un match de l'Inter la saison dernière. Garde ton calme. Arrête de me faire chier. J'ai regardé l'émission. Tidiani dit que l'Inter sortira de la poule.
Ouais. Ah, il le dit. Bravo, bravo lui. Moi, je m'en souviens parfaitement. C'est par posture. C'est par posture parce qu'il aime l'Inter. Non. Si je peux me permettre. Oui. Parce que je regarde ça un petit peu. Non, mais là, il n'y a rien d'honteux. Il n'y a rien d'honteux ce que je fais. Il y a certes. Sur ce que je fais, il n'y a rien d'honteux. Parce que l'Inter, ça fait très peu de temps qu'il sort de la poule. Néanmoins. Ouais, attends, mais là, je vais être relaxé. On met du sursis. Néanmoins. Je pense sincèrement qu'il mérite au moins une amende car j'ai senti une condescendance par rapport à la série. Ouais, je suis d'accord. Quelle condescendance ? Il dit, j'ai pas l'impression que cette saison, il va pas arriver. J'ai senti une condescendance. Non, t'as été condescendant. Mais attends, mais lui là, attends, mais sa chemise s'activait. Il vient de dire, il y a deux minutes, il y a une poule par français dans la sauce. Et là, lui, il me dit. Non, mais attendez, arrêtez. Pour un coup, t'as été condescendant, faut assumer. C'est un délit moral. J'ai envie de t'interdire la parole. Et le pire, c'est que pour parler de condescendance, il explique que Tidiane n'a pas vu un match de l'Inter. Ce qui est faux. L'année d'avant, ça va. Allez. Si on peut plus se défendre. En Ligue des Champions, j'ai rien d'autre qui m'a. Choqué. C'est ouais. Ça, c'est ça ton truc non, tu fais des grandes émissions pour non, ça non, non. Tu me déplaces à 13h Non, mais sérieusement. Tu passes un bon moment. Non, mais attends, on est où? Attends. Attendez, on est où là? C'est ça, Walid. Non, mais tout le monde y passe, mais tu sais que toi, t'es pas. Ah, je suis pas. Ouais, c'est pas. T'es pas dans le pire. Ok, d'accord. Merci, monsieur le juge. Il fallait quand même. Merci, monsieur le juge. Attends, change de ton là. J'ai payé 2 500 € d'honoraires de 3 avocats. J'aurais dit de venir se libérer le lundi à 14h. Pour ça, mon copain, vous allez me rembourser, monsieur le juge. Vous allez me rembourser. Passons à la Coupe du Monde. Ah, ça par contre, c'est un peu plus compliqué, je pense. Passons à la Coupe du Monde. Coupe du Monde, il y a du va y avoir du dégât. Ouais, mais Coupe du Monde, c'est très aléatoire. Ouais, j'arrive. Petit medley, Delton Mokolo. Petit medley, Michel. C'est Super Bowl, c'est la victoire du Super Bowl, là, carrément. Petit cocktail. Petit medley sur fond de musique. Bellingham sera élu meilleur jeune de la compétition. Alors désolé pour la France, après Pogba en 2014 et Mbappé en 2018, la France n'aura pas le prix du meilleur jeune parce que je pense que ce sera Bellingham qui l'aura à l'occasion de cette Coupe du Monde. Le Portugal éliminé en poule. Exactement. Sortez-le. Ah oui, attends, bah là ça se mouille. Hein. Parce que Ronaldo qui met un but et là-bas le troll, le Portugal éliminé en poule. On va bien rigoler quand on reverra toutes ces prédictions. Avec lui, Gnabry. Côté à 50, ah ouais, exactement. Terminera meilleur buteur du mondial. Ah ouais, parce que j'aurais pu aller sur Harry Kane, j'aurais pu aller sur Kylian Mbappé, je suis allé sur Serge Gnabry. Pourquoi? Parce que pour moi, l'Allemagne va aller très loin dans cette Coupe du Monde. Bravo! Bravo! Et surtout qu'à la fin. 7 ans minimum. Et surtout que dans l'émission. On fait les prédictions, après on fait le bilan et avec le graphe qui résume tout. Et tout le monde dit 1 sur 3, 2 sur 3, lui. 3 sur 3. Mais non, lui, non, mais c'est. Ah ouais. Franchement, Serge Gnabry, meilleur buteur à son. L'Allemagne ira loin dans cette Coupe du Monde, éliminée par le Costa Rica. Portugal éliminé en poule. La parole est à l'accusé Mokolo. Franchement, vous êtes un juge quand même très particulier parce que si tu m'expliques que quand tu regardes la tactique. Je vais le dire parce que je vais pas voir la lumière pendant un certain temps. Si tu m'expliques. Mais qu'il est en roue libre. Si tu m'expliques. Et ben va te faire foutre le juge. Non, mais si tu m'expliques quand tu regardes la Coupe de Bellingham, la Coupe du Monde de Bellingham. Non, mais ça s'en fout ça. Allemagne. Qu'il arrive entre guillemets à se foutre de la gueule de la Coupe du Monde de Bellingham. Ouais. Alors ça c'est que. Ok. Tu me laisses ta parole. Bellingham. Ok. Très bon monde. Allons sur Bellingham. Allez, je t'enlève 20 ans. Maintenant. Passons à l'Allemagne. Germany. Serge Gnabry. Sergio Gnabry. Non, tu sais ce qu'on dit. Je demande. T'es un sans Gnabry là. Je demande. Portugal. Je demande la relax complète parce que sur Bellingham c'est faux. Bellingham fait une très bonne Coupe du Monde. Je demande la relax complète. C'est Sergio Gnabry. Il a enterré un cadavre. Il nous dit qu'il a très bien roulé sur la route, bâtard. Maintenant, je veux t'entendre. Tu dois écouter le juge. Ouais. Ah oui, à un moment donné, sinon. Je veux t'entendre sur Gnabry.
l'Allemagne ira loin ouais. et le Portugal en poule. Ça fait quand même 3 qui sont très lourdes à ton actif. C'est très sévère, c'est très violent. Alors, si tu as beaucoup ouvert ton caquet sur Bellingham, ok, il a fait une Coupe du Monde passable. Ouais. Maintenant. Ouais, il a fait une Coupe du Monde passable. Il fait une très bonne Coupe. Ok, elle est bonne. Ok, elle est bonne. Là, n'est pas la question. Mais maintenant, ok. Dans une accusation, il y a plusieurs pièces à conviction. Allez, je t'enlève 10 ans. Non, 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 vous avez trafiqué les preuves. Vous avez trafiqué les preuves. Non, c'était toi qui parlais. Frérot, t'es un meurtrier, frérot. Frérot, t'as oui, c'est un meurtrier. Mais vous avez trafiqué les preuves. Je mérite un procès équitable. Je peux t'écouter. Sur le Portugal, l'Allemagne ouais. et l'Amérique, quand même. Ouais, ça sur ça, ouais. Alors, sur le Portugal. le Portugal, ouais. effectivement, c'est pas passé loin à partir du moment où ils se qualifient au bout du deuxième match. Ouais, et ils vont en quart de finale. Ouais. Okay. Ils vont en quart de finale. En sortant la Suisse. Sur l'Allemagne, c'est pas passé loin. Non, c'est pas passé loin. Il y avait le Costa Rica et qui en poule ? Le Japon, ouais. C'est pas passé loin. Attends, faut quand même rappeler que. Ils ont perdu 2 matchs sur 3 l'Allemagne ? Ouais, non, mais. Ah non, ils en ont perdu un. Non, deux. Mais non, ils sont non pas il faut mieux. Il y a une victoire défaite. Ils battent le Costa Rica finalement. Ils battent le Costa Rica. Donc c'est pas passé loin. Et ouais. ils perdent parce qu'en fait, l'Espagne. Enfin, les trophées. Et l'Espagne, en fait, c'est pas passé loin. Tu les voyais loin. Et Gnabry, En fait, ta défense, ça va être de nous raconter la Coupe du Monde qu'on a tous vue. Exact. C'est juste pour être sûr. Et Gnabry. J'ai raté. Ah voilà. Tu vois, c'est facile. Ça tient une phrase. Ok, allez, bah continue alors. Je suis passé à côté. En fait, Sofiane, oui. Bah flemme. Flemme de travailler, toi. Ouais. Pourquoi ? Bah, le Qatar va naturaliser la M&M. Ouais. Alors écoute. Ouais, l'Italie sera invaincue. Et Cameroun marquera 0 but. J'ai pas fait des prédictions troll pour m'échapper. Par contre, t'as trollé le Cameroun. Ouais, ça, Cameroun, oui. par contre, c'est irrespectueux. Cameroun. J'ai envie d'écouter sur le Cameroun. Alors qu'ils ont tapé le Brésil. Je me suis aussi trompé parce que j'ai dit l'Allemagne qui allait loin. Je crois que je les ai mis en finale, l'Allemagne. Ah, mais ça, on s'en fout. Ça l'envoie le Cameroun. Sur le Cameroun, quoi ? Très irrespectueux sur le Cameroun. Sur le Cameroun, ils ont fait une belle Coupe du Monde. C'est vrai que dans leur histoire, ils nous ont montré que dans les Non, mais on s'en fout des histoires. Là, c'est notre histoire. C'est notre histoire. Cameroun, ils ont une belle histoire. Coupe du Monde. 90, ça te dit quelque chose. Non, mais récemment. Ah, mais ça, d'accord. Quand il se tape. Ah, donc tu veux encore insulter. Quand il se tape à Soekoto, quand même. Ah, d'accord, ok. Non, mais sur le Cameroun, j'ai dit qu'il marquerait quoi ? Un but ? Zéro but. Zéro but. Ils en ont mis combien ? Le dernier match. Face au Brésil. Ils en ont mis combien ? Ils en ont mis pas mal. 3 contre la Suisse. 3-2. 0. Non, il perd 1-0 contre la Suisse. Non, mais ouais, mais ils mettent 2 contre 4. Le Brésil, 3 contre la Serbie. Non, 1 contre le Brésil, non, 1-0. C'est 1-0. Ils ont mis 4. Oui, bah voilà, je me suis trompé sur pas le Cameroun. Voilà. Bon. Ça mérite quand même quelque chose. Ouais, petite. Heureusement qu'il a trollé. Ça rappelle à la loi. En fait, je demande juste un petit sursis. Parce que un peu moins de troll, on veut quand même du mouillage. On fera du troll après. La saison prochaine, je ferai plus de sérieux. Pas de troll, voilà. Plus de troll. Voilà. Pas de troll. Un petit peu. Moi, je demande le juge. Au moins, pas 2/3. Le juge, je demande sur les prochaines années. Pas le troll. Excusez-moi. Je demande sur les prochaines années que ce monsieur se mouille beaucoup plus. Parce que attendez, parce qu'il nous dit. Toute l'année, on fait des émissions preview, on fait des trucs, etc. Faut se mouiller, alors que nous, on prend la purée sur les réseaux sociaux. Ils mettent le plus beau but de la Coupe du Monde, accessoirement. Exactement. Avec Aboubacar. Ouais. Et je suis désolé, non, attends, la prochaine j'ai fois. J'ai fait des prédictions sérieuses. Plus de trolls. Alors, sinon, il fait ses trolls, ouais. Il allume sa galerie, et par contre. Pas une sur trois. S'il veut, on fait une intro troll, d'accord, où il nous casse les couilles, etc. Par contre, lui, il est très permissif, hein, il se permet. Non, mais toi, t'es déjà en prison. Non, mais d'accord, il nous fait ses trolls. T'as pas le droit au parloir. Il nous fait ses trolls, y'a pas de soucis. Par contre, il nous fait ses 3 previews, il nous fait ses 3 prédictions sérieuses. Ok. Asseyez-vous par contre. Après, j'ai donné mon vrai bracket et tout. Hein. Oui. Ouais. C'était Argentine-Allemagne en finale. Ouais, Argentine-Allemagne. Ouais, mais... Parce que moi aussi, je l'ai annoncé. Mais ça, tu n'as pas mis dans les bonnes prédictions. Ah ouais, ça aussi. Personne, je l'ai mis. Personne, le bracket. Par contre, ça, la prédiction sur l'Argentine, 6 mois avant, je fais une capsule à 1 million de vues. Sur l'Argentine. Attention. 6 mois avant. 6 mois avant. Allez, à côté de ça. 6 mois avant. Tu te tais. Attention. Tu te tais. Ça arrive pour toi. 6 mois avant. Ça arrive pour toi. Pourquoi ? Ça arrive quoi ? C'est fini l'émission de voyage. Tid ? C'est l'heure. La Coupe du Monde, un beau moment. Très bon moment. Ouais. Énormément de plaisir. Allez. Tidiani, attention. Tidiani. Allez, rapide. Il n'y a pas tant de grosses différences avec Sofiane. Victoire du Brésil en finale face au Danemark. Danemark en finale, quand même. Ça fait 2 braquettes où il n'y a aucun pays africain en 8e.
Le Brésil et le Danemark en finale. Accusé Mbo à la barre. Attendez, excusez-moi, parce que là, c'est d'abord, on peut réagir. Oui. C'est une catastrophe. Ouais, c'est une ah, parce que le Danemark a terminé derrière l'Australie et derrière la Tunisie, quand même. Ou pas loin. Ah bah moi. Ouais. Non, mais tu te tais. Mais il a pas compris le principe du l'émission. Accusé Mbo. Accusé Mbo. Brésil, Danemark en finale. Ma défense va être claire. Ouais. Elle va être simple. Danemark en finale. Elle va être limpide. Danemark qui a perdu contre l'Australie. Les deux équipes que j'ai mis en ouais. finale sont deux équipes qui ont très largement sous-performé par rapport à ce qu'on en attendait. Ah oui, ouais, clairement. Donc, j'ai pas été lâché par une équipe, ouais. J'ai été lâché par deux équipes. Ouais. Mais je suis prêt à reconnaître, sans aucun problème, être passé à côté du bracket. Parce que tu nous avais dit qu'une équipe asiatique ira plus loin que l'Afrique, juste le Maroc, ça fait quoi? Oui, mais... Ah oui, d'accord, ouais, okay, c'est en Afrique, oui, le Maroc. Oui, non, mais d'accord, les deux autres prédictions sont bonnes. Ok, et Ronaldo marquera au moins un but. Ouais, super. Bah, il a marqué un but. Alors, on applaudit là-dessus parce que c'est fort. Bah, il a marqué un but. Ah, c'est fort, c'est fort. Il aurait pu finir à zéro, mon copain. Et la dernière prédiction, elle m'échappe, merde. C'était la dernière prédiction, je sais pas, mais elle était bonne. Ah, elle était bonne, super. Elle était incroyable. Ouais, ouais. Non, mais le Danemark en finale de Coupe du Monde, en finale del Cupo del Mundo. Là, c'est ferme. Et à partir du moment où les mecs, ils ont fait 0-0 contre la Tunisie. Ah, mais ça, je peux pas le savoir. Ils ont perdu contre l'Australie de l'équipe. Ça, je peux pas le savoir. De l'équipe. Il les voyait en finale, le frérot. Après, ça reste le crâne de la Coupe. Bah oui. Ah, non, non, non. Ah, oui, mais il le mettait en finale. C'est le principe de l'émission. Il l'a mis en finale, le poteau. Ah oui. Moi personnellement, je salue le panache de Tidiani parce qu'il a voulu attaquer. Ça c'est le baiser du gars. Non. Moi je te dis juste que il y avait un certain nombre d'éléments quand même. Il y avait aucun élément. Alors moi je vais te dire. Je vais il est en train de se voir pousser des choses au milieu entre les jambes. Je vais te dire pourquoi, parce qu'on n'a pas eu l'argumentaire complet. Le Danemark sortait d'une demi-finale de l'Euro où ils perdent en prolongation contre l'Allemagne, ils avaient une super dynamique. Justement, ça rentre dans le contexte des pires prédictions. En Ligue des Nations, ils ont traîné la France. Mais c'est le pire, du coup. Et je me suis dit que dégueulasse, tout ce qui s'est passé autour d'Eriksen allait porter un espèce d'esprit un peu mystique autour du Danemark. Allez, on continue, on va rester à gauche. Moi, elle t'a dit dans le même cachot. Mon cachot, je veux plus te voir. Walid, rassis-toi quand même. On va quand même faire tes prédictions. Je veux les voir en promenade les deux et se parler comme ça. Et débattre sur leurs prédictions dégueulasses. Ouais. Parce qu'on n'a pas parlé du Brésil. Brasilia. Parce qu'on n'a pas parlé du Brésil. Comme un ligne, hein. Non, mais le Brésil. Après quoi, qu'est-ce que... Mais toi, tu vas arrêter à un moment donné de... Laisse-moi... Walid, reste assis. Non, mais le Brésil. On a un mot sur le Brésil. On va avancer, moi, Walid. Moi, j'ai envie de saluer le panache de titre. Walid. Plus attaqué juste en France avec un pistolet. Ah, Walid, c'est sûr. Walid, pêle-mêle tes prédictions de la Coupe du Monde. Allez, vas-y. Le Ghana ira en huitième de finale. Oui, on s'est trompé. Pardonnez-moi. Genre à André Ayou. Pas loin. André Ayou et voilà. Je vais pas l'insulter, André Ayou. Lautaro Martinez, meilleur buteur de la Coupe du Monde. Lautaro Martinez. Oui, j'y croyais. J'y croyais. J'ai fauté. Et puis il est vraiment monté en puissance en plus pendant la Coupe. Il est champion du monde. Non, mais Lautaro Martinez. Qui a terminé aussi? Antoine Griezmann terminera sur le banc. Voilà. Alors déjà, il a terminé sur le banc, déjà. Donc factuellement, oui, parce qu'il a été sorti du match. À la 70e minute, il est sorti. Et ça quand même, c'est un terrible désaveu pour ton leader technique. C'est quand même la Coupe du Monde qui l'a réhabilité. Exactement. Ouais. Maintenant, encore une fois, je répète. La plus sombre de Makala Kinshasa. Excusez-moi. Je te le dis, pour Griezmann, je te le dis. Excusez-moi. Toi déjà, t'es normalement juste sur Sanchez, t'es dans les crocodiles. Déjà. Normalement, toi, t'es avec Scofield, toi. Non, mais toi, normalement, déjà, t'as vu Astérix et Cléopâtre, là, les crocodiles, normalement, t'es dans les crocodiles, toi, déjà. Mais juste pour revenir, là-dessus, excusez-moi, je peux parler après, vous faites ce que vous voulez. Allez, accusé à chercher. C'est avant la blessure de Karim Benzema et avant la blessure de Nkunku. Voilà, parce qu'il y a un Roland comme d'accord. Non, mais monsieur le juge. C'est avant les blessures. Assieds-toi. Et Griezmann jouait ailier droit à ce moment-là. Je me suis dit quoi à ce moment-là? Mais même avec des blessures. Il était pas bon à ce moment-là. Asseyez-vous. Voilà, maintenant je me suis trompé. Je me suis trompé. Non, parce qu'on le fait avant qu'ils y aillent. C'est pas après. Si, on le fait avant qu'ils y aillent. Et quand on voit les émissions qui ont suivi Walid sur le sujet Griezmann, on sent qu'il y a quelque chose. Et surtout aussi sur la Coupe du Monde, il y a aussi après le match de l'Argentine face à l'Australie, cette capsule.
Je suis très inquiet pour l'Argentine. Lionel Messi ne peut pas faire tout seul. Ah, bon. Si. Oui. Eh oui. Quoi? Mais c'était pas cette capsule là, mon pote. Si. Pardon. Je voulais valoriser. Je suis inquiet pour l'Argentine. Je voulais valoriser ce que fait Lionel Messi. Ah oui, mais t'as rien compris. Si vous comprenez pas les capsules, j'étais très inquiet pour l'Argentine. Mais je suis très inquiet pour le jeu de l'Argentine. Non, t'es très inquiet pour l'Argentine. Je ne vois pas l'Argentine aller plus loin. Ça, c'est une analyse d'après-match, mon pote. Eh ben oui. Mais j'ai toujours cru en l'Argentine. Là, t'as dit, je suis très inquiet. Je ne vois pas aller aussi loin. Ouais, ouais. Mais jamais. J'ai dit qu'il fallait qu'autour, qu'il y ait des joueurs avec un peu plus de personnalité pour passer. Ouais, mais ils ont fait quoi? C'est ce qui s'est passé. Mais ils ont fait quoi? C'est ce qui s'est passé. Je suis très inquiet pour l'Argentine. Non, alors. Tu l'as dit. Mais c'est de l'émission, ça. C'est pas de la preview. Moi, j'ai donné ma finale. J'ai donné Argentine, Angleterre. Argentine qui gagne. En fait, t'as pas compris un truc, c'est que ça porte pas seulement sur les prédictions. On avance. Moi, je trouve quand même, s'il vous plaît, propension à venir essayer d'intimider le juge physiquement. Moi, je trouve quand même que tu fais une mauvaise Coupe du Monde. Voilà, je trouve que c'est une mauvaise Coupe du Monde. Middle. Je te mets 10 ans. 10 ans. Middle. 10 ans et 10 ans. Par contre, les deux là, je le veux au cachot. C'est perpète. À la base, je le veux au cachot. Mais pour Griezmann, tu mérites le temps d'être au cachot. On va quand même s'intéresser à un mec. Griezmann en remplace. Non, non, non. Une bonne coupe. Non. J'adore ce qui arrive. On va aller en Liga. On va s'intéresser au spécialiste Liga qui est déjà en prison, qui est sous la terre. Hein. Accusez Mokolo. Alors, pourquoi j'ai mis Athletic Club 5e? Parce que Athletic Club a terminé 8e. Ils ont terminé 3e meilleure défense de Liga. S'il y a bien un entraîneur qui peut les amener sur un niveau supérieur, c'est Ernesto Valverde. Tu veux parler de Marcelino? Hein? Tu nous avais dit qu'avec Marcelino, déjà l'année dernière, ils allaient faire. Mais Marcelino, il a fait le boulot, il termine 8e. Pourquoi j'ai mis Raúl de Tomás? Parce que. Précise moi, quand même. Moi, je pense que l'Espagnol va faire une très belle saison. Parce qu'ils ont recruté Diego Martinez, qui est un entraîneur qui a fait du bon boulot du côté de Grenade. Et le fait d'avoir Diego Martinez plus Raúl de Tomás, tout ça me fait dire que ce dernier-là va réaliser une très belle saison et qu'il va être le meilleur buteur espagnol. Pour le Barça, unique club à 100 buts. Oui, monsieur. Pourquoi? Parce que je fonde de grands espoirs sur le secteur offensif du SC Barcelone. Donc le Barça va mettre 100 buts, mais ne gagnera pas la Liga. Ce qui n'est pas incompatible. D'accord. Ce qui n'est pas incompatible, parce que tu peux mettre 100 buts et en encaisser 40, par exemple. Ok, d'accord. Voilà, le spécialiste Liga du WFC. La pire étant Raúl de Tomás. Raúl de Tomás, on va rappeler. Donc, parce que les autres, ça va. Les autres, ça va. 4 buts. 59e meilleur buteur de la saison. Alors, je savais même pas qu'il y avait 58 joueurs, sa mère. Bon, moi je peux. Il a pas joué toute la saison. Bilbao termine combien? Termine 8e. D'accord. Non, mais franchement, ça va. Faut rappeler que c'est l'équipe chouchou. Alors, et le Barça, non, pas loin des 100 buts, ils en marquent 70. Il en manque 30. Et il gagne la Liga. Ce qui n'est pas incompatible. Accusez Mokolo. Au cachot, Mokolo, au cachot. Ça fait lourd. Franchement, hormis Thomas, ça va le reste. Bah non, mais justement, je vais m'expliquer. Sur l'Athletic Club, déjà, c'est Daniel Creux, Danny Boone, il termine 8e, donc c'est pas si déconnant que ça. D'accord. Raúl de Tomás, vous oubliez un truc, mais qui nique. Enfin, qui. Ah ouais, d'accord. Qui termine sa saison, c'est qu'il y a un transfert raté au début septembre. Et donc, pendant 6 mois, il peut pas jouer. Ah, il fallait le prix. Non, mais pendant 6 mois, il peut pas jouer. Est-ce que je peux anticiper le fait qu'il y a un transfert qui est capoté à dernière minute et qu'en gros il peut pas jouer. C'est dommage, hein. C'est dommage. C'est pas comme s'il avait fait toute une saison, il avait été catastrophique. Raúl Thomas, c'est non. Ah non, mais ça, tu peux pas le mettre. Tu nous dis une grosse saison de l'Espagnol, ils font 19e. Mais tu nous dis, ils vont faire une grosse saison, ils terminent 19e. Ils descendent. Non, mais sauf que Raúl. Mais où on est? Sauf que Raúl de Tomás. Après, ça fait pas jouer un peu de choses. Bah, pas de choses, ça s'est joué à 52 points près. L'Espagnol Barcelone va faire une bonne saison, 19e. Sauf que t'oublies un truc. Entre la prédiction et ce qui s'est passé, il y a une dispute. Oui, il y a une saison et terminé 9e. Il y a eu quelques matchs de jouer. Il y a une saison de Liga. Beaucoup de défaites. Et les 100 buts, les champions. Non, attends, laisse-moi finir. Il y a surtout une dispute entre Diego Martinez et Raúl de Tomás qui change la donne. Ah, d'accord. Bah oui. Mais bonne saison, 19e. Mais ça, encore une fois, l'histoire s'écrit pas au brouillon. Oui, c'est le principe des prédictions. Ensuite, sur le Barça, pour le coup, sur le Barça, j'ai beaucoup surestimé notamment des joueurs comme Dembélé. J'ai surestimé les capacités de Xavi quant à sa capacité à produire quelque chose de potable.
Donc tu t'es trompé. Là, il y a Gabi qui propose la chaise électrique, on n'en est pas loin. Pour le Barça sans but, je me suis trompé. Tu t'es trompé, d'accord. Sur le Barça sans but, là, je me suis trompé, mais largement. Mais sur la Liga de Thomas, sur la Liga, non, sur Raoul de Thomas, mais à part son niveau. Et sur le Barça qui gagne la Liga aussi, qui gagne pas la Liga. Ça, je me suis trompé. Ah ouais, sur Raoul de Thomas. Bon, bah voilà, donc c'est 10 ans, c'est 10 ans. On se rapproche. Ça roule sur Raoul de Thomas, vous pouvez pas me le mettre. À part son niveau, il y a un truc qui est inenvisageable. Ok, on t'enlève Raoul de Thomas, mais c'est quand même 10 ans de plus. Ah oui. 10 ans de plus qu'on te met. Ok, d'accord. Il a pris perpète plus 20 ans. Et pas de cantine. Et ah ouais, il a raison. Sur Raoul de Thomas, vous abusez. Bah oui. On enlève Raoul de Thomas. Raoul de Thomas, par contre, l'Espagnol Barcelone. Et puis moi, Raoul de Thomas, je l'ai mis pour être malhonnête. Ah oui, bah oui, c'est de la malhonnêteté, c'est de la malhonnêteté. Bien sûr, mais c'est après, il aurait pu aussi. Mais l'Espagnol va faire une bonne saison. Il aurait pu marquer des buts dans son nouveau club. Hein. Mais le mec est pas. Il s'est pas retiré du football. Hein. Ouais, il a joué la Liga quand même. Il joue pas pendant 6 mois. Bah, je sais pas, tout à l'heure sur Belaïli, tu m'as pas dit ça, moi, tout à l'heure sur Belaïli. Ah bah, j'ai cherché à défendre. Non, pas sur Brest. Pas sur Brest. Pas sur Brest, mais sur. Walid, en Liga. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? La pépite de la Liga sera. Qui? Mohamed Ali Chow. Je suis prêt à prendre 2 ans là-dessus. Ouais, on va mettre une petite peine. Ouais, j'y croyais, 12 millions d'euros, Mohamed Ali Chow, j'y croyais. Joueur intéressant à Angers, voilà, ça va peut-être l'année prochaine. Ouais. Ouais, on s'est trompé. Après, je suis pas spécialiste de la Liga, moi. Oui, non. Moi, je vois ça un peu long. Ça s'est vu. Exactement. Mmh. Voilà. Et t'étais le seul à dire que le Barça est champion d'Espagne. Merci, juge. Merci, monsieur. Ça réduit la peine. Ouais, ça réduit la peine. D'accord, merci. On enchaîne avec la Liga. Allez. Là, il y aura juste un. Le juge, ça sera Elton Mokolo sur ta prochaine prédiction. D'accord. Dembélé fera une grande saison. T'en penses quoi? C'est pas passé loin. Ouais, c'est pas passé loin. Non, c'est pas passé loin. Il s'est blessé. C'est quoi? Il partait sur une grande saison. C'est 5 buts, 6 passes décisives. Ouais. C'était un joueur important du Barça avant. Donc ça va. Avant qu'il se blesse. Très bien. Ouais, ouais. Voilà. Ouais. Okay. Elton Mokolo a même dit avant sa blessure ici, après un match contre le Real Betis, que Dembélé était le meilleur joueur en Coupe du Roi. Contre la Real Sociedad et contre la Real Betis. Okay. Ça réduit la peine. C'est Elton Mokolo qui le disait. On part sur 5 ans. Juste qu'on soit d'accord, que tout le monde ait bien compris. Donc Dembélé, qui fait une saison à 5 buts et 6 passes décisives, c'est une bonne saison. Non. Il a eu une blessure en janvier. Ah oui, il a écrit des terrains pendant 3 mois. Oui. Ah donc ça marche pas, ça marche que pour Raoul de Thomas en fait. Bah oui. Ah ouais. Non, pendant 6 mois. Après, on a le droit de considérer que même dans sa bonne période, c'est aussi symbole du problème du jeu du Mais je pense que Mohamed Ali Chow. Pas du tout. Il sortait d'un match contre Bilbao, il a dit triplé. Il sortait d'une très bonne période. Il est toujours associé à Il est toujours associé à Chow. Ah oui. Ouais, en fait, il a pas été. Non, et sur les statistiques, monsieur le juge, quand il se blesse, il a autant de statistiques que Vinicius en Liga. C'est pas mal. Ouais, c'était un tout autre. Allez, on va terminer. Après, ils n'aiment pas Dembélé. On va aller en Italie. Non, il ne fait pas une bonne saison. Vous ne l'aimez pas. Une bonne saison. On va aller en Italie, messieurs. Vous avez un problème. Allez, fini. Vous jugez l'homme en disant qu'il est débile. Non. Rideau. On n'a pas dit ça. On a dit quand il reçoit le ballon, il se demande c'est quoi. Silence, je vais éjaculer la salle. On va aller en Italie. Ouais, oh là là. La série, on n'a pas été bon, je crois. C'est qui? Kid. Je pense que c'est moi, ouais. Allez, belle prédiction. Allez, Tid, on va en Italie. Il en fallait une. Ouais, Naples hors top 5 parce que déjà par rapport à la concurrence, il me semble être un petit peu en retard. Ils sont cinquièmes sur les cotes. Ouais, on a évoqué tout à l'heure les 4 équipes qu'on imaginait dans le top 4. Moi, je pense qu'ils peuvent même se faire doubler par au moins une autre équipe, que ce soit la Lazio, que ce soit la Fio, tu l'as dit, s'ils arrivent à enclencher. Voilà. Que dire? Que dire? Non mais là, je suis obligé d'admettre. Mais tu sais, c'est quoi le pire? Je trouve. Alors moi, je vais pas être sur une défense type Elton Mokolo, être dans le déni de ce que j'ai dit ou dans la contestation. J'assume l'entièreté de l'argumentaire que j'ai porté. Votez. Mais quelle est la pire prédiction? Je vous ai mis Belaïli. Je vous ai mis Brésil-Danemark en finale. Je vous ai mis Raoul de Thomas. Ah ouais, c'est deux fois, ok, d'accord. Ou je vous ai mis Naples hors top 5. Non, okay, à Naples. Vous votez Belaïli, le Brésil, de Thomas ou Naples. Vous votez pour la pire prédiction WFC 2022-2023. Moi, j'assume totalement l'argumentaire que j'ai eu sur Naples à l'époque parce que je trouve que ça rajoute un caractère encore plus incroyable à ce qu'a été la saison. La saison de Naples qui était totalement imprévisible. Totalement imprévisible. Et ça, je le maintiens. Ils ont viré la moitié de leurs historiques, ils ont fait beaucoup de changements et moi je ne voyais pas Naples
champion et Naples développer ce jeu. Je l'assume totalement, il n'y a pas de problème, voilà. Je me suis trompé, mais je pourrais avoir le même raisonnement aujourd'hui si on était il y a un an. Non, mais tu sais, le pire, c'est qu'on s'en souvient même pas. Ah oui, c'est pas vrai. Parce qu'on l'aurait trollé. Si tu veux, Sterling, Alexis Sanchez, vous étiez en train de me troller. Non, mais c'est bien en dessous. Mais par contre, Naples hors top 5, mais j'avais pas le souvenir de ça. Oh, putain. Bon, ça s'est joué à pas grand chose. Ouais. Hein. Ils sont champions à 10 journées de la fin. Ils sont champions en hiver, quoi. Ouais. Donc, bon, ça s'est joué un peu. Mais après, non, mais... il nous dit dans la capsule, je les vois bien se faire passer devant par une équipe type La Fio. Oh. Et La Fio qui fait une bonne saison, ouais. Ils sont en finale de Coupe d'Europe. Et donc, finalement, c'est pas non plus. C'est ça qui me chagrine. C'est que, en fait, cette prédiction peut me faire penser pour quelqu'un qui ne suit pas ce championnat, alors que dans le raisonnement, tous les éléments sont cohérents. C'est juste la finalité du raisonnement qui est irrationnelle. Ouais, parce que la saison de Naples est irrationnelle, et ça, je suis prêt à admettre que là-dessus, je pouvais pas l'anticiper. Évidemment. Ah bon, non, mais voilà, il faut. Évidemment. Faut alors. Voilà, la pire prédiction du WFC. Que Sanchez ne soit pas dedans, je suis désolé. Écoute-moi, ça arrive après. C'est pas une prédiction, parce qu'il y a un troisième trophée. D'accord. Il y a un troisième trophée. Ça fait peur. Voilà. Tid, le pire avis 2022-2023. Oh ouais, bravo. Je te donne. Voilà. Le doublé, le back-to-back, la meilleure et de la pire. C'est Tiakola au plat. Félicitations. Merci. Félicitations. C'est mérité. Et sache qu'elle est vraiment méritée, celle-là. Non, justement, je ne sais pas laquelle des deux me fait le plus plaisir, parce que c'est vrai que cette reconnaissance-là, c'est tout à fait unique, mais non. Franchement. Passons. Merci les Winami d'avoir voté. Merci pour votre soutien. Bombardez des likes, hein. Bombardez des likes. Il y a combien de likes? Presque 400 likes. Bombardez les likes. Je vous ai gardé une dernière séquence. Ouais. Tout le monde l'attend. Il est 14h24 déjà. Tout le monde la veut. Évidemment. Tout le monde sait ce que c'est. C'est quoi du coup? Oh. C'est hors concours, hors catégorie. Hein, ça nous a fait l'année. Acheté, comme on dit. On regarde. Chelsea va recruter un joueur qui pour moi peut remplacer Eden Hazard en termes de leadership offensif parce que c'est ce qui manque depuis la saison 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, à savoir qu'il n'y a pas de référent offensif. Et on l'a vu notamment sur les feuilles statistiques, à savoir qu'il n'y a pas un joueur qui se dégage en termes de buts. Et moi je pense qu'un Raheem Sterling qui a l'expérience Premier League, qui a déjà marqué 20 buts, qui était pas loin du titre de meilleur joueur de champion d'Angleterre, avec son expérience, et en plus il n'a que 27 ans, il peut reprendre ce leadership offensif qui est abandonné depuis le départ d'Eden Hazard. Je préfère plutôt que d'abord, quand il ne se mouille pas, finalement. Mettre Eden Hazard et Sterling dans la même phrase. Attends, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Raheem Sterling, quand il regarde Eden Hazard, il doit baisser les yeux? C'est ce que tu es en train de m'expliquer? Raheem Sterling qui est en première ligue, Raheem Sterling qui est allé en finale d'Euro, en demi-finale de Coupe du Monde, il doit vraiment baisser les yeux devant Eden Hazard. Bien sûr qu'il doit baisser les yeux. Non, il baisse pas les yeux. Bien sûr qu'il doit baisser les yeux. Il va même bomber le corps. Bien sûr. Je juge la saison de Sterling, s'il vous plaît, en chiffres. Elton. Oui, Sterling qui doit bomber le torse en regardant Eden Hazard. Et... en termes de carrière, mais ça, je continue de le dire. En termes de carrière, mais Raheem Sterling n'a absolument rien à envier à Eden Hazard. Il fait quoi depuis 3 ans, Sterling? On va pas sur ce terrain pour hasard. Ce terrain, il est largement perdant. Sterling, il fait quoi depuis 3 ans en club? Depuis 3 ans, il n'était pas champion d'Angleterre en 2021? En étant remplaçant. Non, il était champion d'Angleterre ou pas? Il n'a pas fait finale de... Le leader offensif. Oh, il a mis le Hazard. Leader offensif. Eden Hazard qui a fait 16-14 sur sa dernière saison à Chelsea. 16-15. C'est le leader offensif. Ouais. Une fois, la forme est très importante. Ouais. Parce qu'il y a le fond de l'argumentaire. Mais ce qui est énorme, c'est après comment ça commence. Non. Je pense que limite, ça mériterait presque qu'on le revoie une fois. On peut la remettre. Le bon, il va même bomber. La réplique sur la relance de Walid, c'est totalement dingue. C'est totalement dingue. Un joueur qui pour moi peut remplacer Eden Hazard en termes de leadership offensif parce que c'est ce qui manque depuis la saison 2019-2020, 2021-2022, à savoir qu'il n'y a pas de référent offensif. Et on l'a vu notamment sur les feuilles statistiques, à savoir qu'il n'y a pas un joueur qui se dégage en termes de buts. Et moi je pense qu'un Raheem Sterling qui a l'expérience Premier League,
qui a déjà marqué 20 buts, qui était pas loin du titre de meilleur joueur de champion d'Angleterre, avec son expérience, et en plus il n'a que 27 ans, il peut reprendre ce leadership offensif qui est abandonné depuis le départ d'Eden Hazard. Je préfère plutôt que d'abord, quand il ne se mouille pas finalement. Mettre Eden Hazard et Sterling dans la même phrase. Attends, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Raheem Sterling, quand il regarde Eden Hazard, il doit baisser les yeux? C'est ce que tu es en train de m'expliquer? Raheem Sterling qui est allé en finale d'Euro, en demi-finale de Coupe du Monde, il doit vraiment baisser les yeux devant Eden Hazard? Bien sûr qu'il doit baisser les yeux. Non, il baisse pas les yeux. Bien sûr qu'il doit baisser les yeux. Il va même bomber le torse. Bien sûr. Merci Elton. Merci beaucoup. Merci. Alors, les amis, je vous propose de voter pour le dernier trophée. De la plus belle saucisse. Attends, quoi. 2022-2023 WC. Avant l'émission, son nom, il est gravé. Les nommés sont Elton Mokolo pour Raheem Sterling. Ouais. Elton Mokolo pour Alexis Sanchez. On vote pour qui? Elton Mokolo. Ouais, merci, bravo. Il est mérité, ce trophée. C'est fort. De la plus belle saucisse 2022-2023. Bravo Elton. Attends. Félicitations. Ça veut c'est le temps. C'est voilà, un petit discours peut-être. C'est mis un peu comme c'est daron africain un peu, on va le faire en arrière comme ça. C'est très calmement. Ah c'est ça va bien avec ta montre. Ça va bien exactement, c'est le titre le plus important de la soirée. Dans ton appart, il ira très bien. Je le dédie pardon à tous les amateurs du football, à tous les fans de Raheem Sterling, on l'a fait. On a remporté ce trophée. Chelsea n'a pas remporté ce trophée, mais Sterling l'a fait. Donc rien pour ça, encore un trophée qu'Eden Hazard n'aura pas. Merci, Elton. Merci. Mais c'est mérité. Et attention à la saison prochaine. Oui, tu peux faire le back to back. On reviens, on peut fermer. T'inquiète pas. Franchement, il faudra se méfier d'Elton Mokolo l'année prochaine. Je pense. Vraiment. Mais il a eu quand même des super prédictions. Exactement. C'est très fort. Voilà. Mais c'est annulé par tout le reste. On termine avec Tom ? Allez, Border Terrain. Comment il va celui-là ? Bien, je me suis régalé. Ouais. Bonne année aussi de Tom. Hein. Ah, ouais. Ça a été une nouveauté du WFC aussi, il faut le dire. Année. Pas de trophée, mais c'est bien. Oh. Quand je vois ceux qui prennent les trophées et pourquoi, parfois il faut accepter de ne pas en avoir. T'as passé une bonne année avec nous ? Excellente ! C'est pas fini, mais excellente année. Au prix t'es payé ? Ouais, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça, tu oublies tout le reste. Hein, bah, évidemment. La chronique de Tom, Border Terrain, on fait le tour des stades européens. Et aujourd'hui, Tom, lui aussi, tu viens faire... Tombé à coup. Bah oui, les Winami, mes amis, Sofiane. Aujourd'hui, je suis devant vous pour faire mon mea culpa. Un grand sage disait faut avouer, à moitié pardonner. Sûrement un mec qui avait trompé sa meuf. Mais bon, autant vous dire que je crois autant cette phrase que Rudy Garcia au Napoli. J'ai quand même décidé aujourd'hui de reconnaître mes erreurs devant vous. Et on va commencer avec la première erreur, c'est d'avoir accepté de faire ma chronique ce jour-là, hein, alors que Thomas portait ce pull. Voilà. Vu que lui ne fera jamais le premier pas du mea culpa, je le fais. Mon Thomas, laissons ces erreurs de style à Elton Mokolo et restons sur du classique. Allez, passons au vrai mea culpa. Ma première grosse erreur de la saison est sûrement d'avoir osé critiquer Lionel Messi. Les 400 messages d'insultes et 78 menaces de mort m'ont aidé à m'en rendre compte, bien qu'il soit le plus souvent envoyé par des mecs hein, qui analysent aussi bien le football que des joueurs de Cécifoot. Si certains nous regardent ou nous écoutent, du moins on les embrasse. Non, on n'a pas le droit de toucher une icône comme Messi, j'aurais dû le savoir, puisque c'est écrit ici dans les règlements du fanboy, tu es une star alors tu es intouchable. Voilà, une phrase que tu peux également retrouver dans le cahier des charges du PSG, mais passons. Avec Messi, je ne me rendais pas compte de la chance qu'on avait de voir cette légende marcher sur nos pelouses. Je ne me rendais pas compte parce que comme tous les rageux autour de ce plateau, finalement, quand je regardais un match de Messi en Ligue 1, je n'avais pas en tête son triplé contre Rijon en 2007 ou ce 1-2 fantastique contre Bilbao en 2013. Non, je me contentais de regarder simplement Messi en Ligue 1 comme un inculte. Alors voilà, je ne critiquerai plus jamais l'Argentin, je rentre dans le rang, je rejoins la team Messi et dans le même temps, la France en marche. Un autre mea culpa sur un joueur peut-être encore. Restons dans les légendes, je dois l'avouer, celle-là, j'en suis pas fier. Je me suis permis de faire des blagues sur Karl Toko et Kambi. Je sais pas ce qui m'a pris. Moi, le supporter lyonnais, je crois que je me suis laissé emporter, notamment après ce dernier duel perdu contre une poubelle. La poubelle d'ailleurs qui avait signé en National dans la foulée. Je voulais m'excuser pour les blagues, j'ai eu tort. Hein. C'était peut-être aussi après son interview dans SoFoot hein, où il disait que les supporters lyonnais n'y connaissaient rien au football, qu'on était mal éduqués, racistes même. Ah oui. Bon, je veux bien tout entendre, hein, mais je ne peux pas laisser dire qu'on ne connaît pas
pas le football. C'est un peu limite. Mais c'est pas grave, hein. Tout est pardonné de mon côté. Et j'ai hâte que tu reviennes du côté de Lyon, hein, parce qu'on manque d'un leader technique. Et je me dis que tu as peut-être un numéro dans ton répertoire, donc on t'attend, mon Karl. Tu voulais faire un mea culpa sur Paul Pogba aussi. Ouais, je crois que le timing est bon. Cette saison, j'ai fait quelques vannes sur Paul Pogba. Et après son interview la semaine dernière, je m'en veux, hein, parce que j'ai l'impression d'avoir vanné Nelson Mandela. Je sais pas si vous avez lu ses propos, mais waouh, la profondeur du discours, vraiment, j'ai été bluffé. Hein. Je sais pas si Pascal Duprat a aidé à l'écriture, mais c'était profond. Hein, résumé, le racisme. Les Noirs ont déjà gagné aujourd'hui, on prend le bus. Bon, visiblement, pour lui, Rosa Parks, c'est juste le nom d'un collège. Hein. Après, évidemment, que la forme trahit sûrement un peu le fond. Oui. C'est un mea culpa, je ne lui en veux pas. Et j'attends surtout qu'il revienne sur une pelouse. Un mea culpa pour un club aussi, peut-être, non? Oui, c'est le dernier. Celui-là, il est sincère. Énorme mea culpa à Chelsea, à qui j'ai trop manqué de respect cette saison. Pourtant, comme dans la discographie de Kinvey, il n'y a rien acheté. Quoi, hein. Les bons coups du mercato avec Mudryk, qu'ils sont allés chercher 100 millions d'euros. Fallait le sentir, ça, et regarde ce que ça donne. Je vois rien là. Exactement, ça c'est du joueur générationnel. Enzo Fernandez qui sont allés chercher 120 millions d'euros, on va voir les stats. Il n'y a rien non plus là. Et le nouveau Lampard, il est là. Raheem Sterling, 55 millions d'euros, on va voir les highlights de sa saison tout de suite. Tu vas me prendre pour un lâche, tu vas me prendre pour un fou, mais je crois qu'on voit toujours. C'est exactement ça, nada, que de si. Hein. Les mecs ont investi tout ça pour rien. En fait, Chelsea, c'est un projet NFP avec Kev Adams, mais c'est un mea culpa et ça reste des bons coups sur la longueur. D'accord. En tout cas, c'est les pages Chelsea FR et Mudryk fans qui me l'ont dit. Enfin bref, ça fait du bien de m'excuser aujourd'hui. Je ne vais pas vous mentir. Souvent, je fais des blagues sans vraiment me rendre compte de tout le travail qu'il y a derrière sur cette planète football. Je m'en excuse. La saison prochaine, je serai bien plus sage. Et quand je dis quelque chose, je le fais. C'est mon côté Kylian Mbappé. Allez, je crois que merci, j'ai fait le tour. Merci, Tom. Ciao. Bordeur terrain, la chronique de Tom. Tous les lundis. On verra s'il sera là pour le mercato. Il sera là pour le mercato, notre ami Tom. Ouais, t'as besoin d'argent, de toute façon. Ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est... Ok. Bordeur terrain, la chronique de Tom. Évidemment, c'était la petite nouveauté du MAG cette année. Bon, ben voilà. Merci, Thomas. On l'a fait, cette émission. Merci. Bravo, bravo à toutes les équipes d'avoir... Ah ouais, bah, merci à Numa qui nous a beaucoup aidés. Merci à Antoine pour les montages. Merci nous avez régalé. Ouais. Merci vraiment. Bravo. Gros travail en amont. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était sympa. Donc, voilà, on parle beaucoup de foot et c'est bien de se moquer de nous-mêmes. Voilà, on est là pour avoir de l'autodérision. On ne prétend pas avoir la science infuse. On est uniquement là pour parler de foot. On continuera à se tromper. Exactement, c'est le plus important. Merci, Elton. Merci à vous. Tu m'en veux pas? Ah non, pas du tout. Bon, ça va. Ah non, à partir tu de... ramènes la coupe à la maison en plus. Exactement. Voilà, c'est super. Tid, le doublé. Le doublé, c'est vrai. Coupe championnat. Et je m'y attendais pas. Eh ben, franchement, je m'y attendais pas. Et c'est mérité. Je pense. Ouais. Surtout. Les deux sont mérités. Les deux sont mérités. Merci, Sofiane. Merci à vous. Si tu veux gagner des trophées, il va falloir faire un peu moins de trolls. Exactement. On va y aller. Tu dois en tirer des conclusions. Ouais. Merci, Walid. Merci. T'es un peu déçu de ne pas avoir de trophée? Un peu déçu. Ouais. J'aurais bien aimé marquer. Chaque fois que tu as gagné une coupe ou un quiz ou quoi, tu l'as laissé au plateau. Donc. Après, tu vois, on ne parle jamais des perdants. Ouais. Et moi, je trouve que. Okay. Et moi, j'aime bien les perdants. Donc, ouais. J'aime bien les équipes sans trophée. Mais c'est bien. Donc, je suis. Ouais. Pas mal. Je suis cool. Eh bien, super. Merci cool. À la régie, évidemment. Et merci à tous sur le chat, évidemment. Vous êtes bonnes qui m'ont compris. Merci sur Twitch. Merci sur Winamac. Merci à ton message. Tu nous enverras les prisons? Oui. Ouais, les non. Peines. Ouais. Exact. De toute façon, on pourrait écrire des lettres moi, à Elton. Si je peux être à Nanterre, ça peut être cool. On pourrait écrire des lettres à Elton. Hein. Moi, si je peux être à Nanterre, ça peut être cool. Moi, la santé quand même. Ouais, la santé. Ouais. Moi, j'aimerais bien aller à Luynes. D'accord. Si possible, il fait un peu meilleur. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt. Vous pouvez m'envoyer à l'Olympique Lyonnais, moi, de mon côté. Ou à Friends. Ça fera deux en un. Voilà, merci à tous, les copains. Bon, Paris, Saint-Germain. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de likes. Mais bref, merci à tous. Bombardez des pouces bleus. Et on se retrouve ce soir pour le débrief de France-Grèce. Ciao, ciao. Salut.